les dieux et leurs messagers devant le palais des hommes. Enlevez cette barrière qui les sépare de nous et laissez le roi recevoir celui qui protège les forêts et les eaux afin de bien dialoguer pour le bien-être du royaume. Boulangita, protecteur de notre peuple. Igwe. L'œil qui voit les dieux et nos ancêtres. La bouche qui parle le langage des hommes et celui des esprits. Ungunandi, je te salue. Ce qui est porté sous le poignet n'a pas besoin de miroir pour être vu, votre majesté. Vous avez tout vu sur ma main. Donc vous avez aussi vu le visage de notre peuple et aussi notre destin qui a libéré les fichiers de Nyota. Et c'est moi qui l'exige. La tradition, c'est notre couture. À toi de le réaliser. Igwe, j'ai fait ma part. Faites la vôtre. Ma part, je la ferai bien. Je vous le promets. Mes remerciements à vous et aux dieux. Que mes bénédictions, celles de nos dieux, celles de nos ancêtres, soient avec vous. Paix. Eneke, Majesté, réunis tous les membres du Conseil royal immédiatement. Oui, Majesté. Comme une antilope. Non, les antilopes sur le point de faire la forme et l'intensité de leur mouvement. Ah, faire la chasse à la forêt aujourd'hui, c'est encore un pas. Et en y pensant, je n'étais plus à rentrer à la maison à cause de la frustration. Merci Dieu d'aider à Fibo. Et s'il te plaît, aide-moi à atteindre une bonne cible. Au moins, une des antilopes que j'ai vues. Les dieux de Akibo, la reine Odiagiri, la deuxième femme du roi, et Ichie Ogazi, qui foncent dans un endroit isolé comme ça dans la forêt. Non, ça n'a pas l'air bon du tout. Non, pas du tout. Je dois tout savoir. Lolo, on est devenu plus indiscret à propos de cette relation. Et je ne suis plus d'accord avec ça. Nous devons attendre que la nuit puisse tomber pour qu'on se rencontre à notre endroit d'habitude. Et on va faire ça comme on veut, autant de fois qu'on veut, sans être dérangé. Je sais, mais c'est pas pour rien que je t'ai invité ici.
Il est vrai que je meurs d'envie de toi, mais cela ne veut pas dire que je suis une stupide. Je t'ai fait venir ici pour que nous puissions discuter à propos de nous et aussi de notre future génération. Hé, hey. Efumo. Hey, hey, mon Dieu. Lolo, ne me dis pas que tu es tombé ancêtre de moi. Assez. Ne sois pas fou. Si réellement je l'étais, je n'allais pas être aussi folle pour te le dire. J'allais tout simplement le mettre sur la tête de mon mari, Igwe. Je t'ai fait venir pour que nous puissions discuter à propos de ta fille et de l'héritier du trône, Prince Uchenna. Lolo, attends. Oh, si je te comprends bien, donc tu veux dire que tu as convaincu le roi à marier ma fille? Si c'était le cas, je n'allais pas venir te l'informer ici dans la forêt. Alors qu'est-ce que c'est? Le prince Uchenna est tombé amoureux d'une fille du royaume d'Opunza. C'est hier qu'il nous avait parlé de ça, Igwe et moi. Bien que j'ai tout essayé pour l'en dissuader, il insiste sur le fait de faire de cette fille sa femme. Hey. Bien que je n'ai pas donné mon consentement. Mais ce n'est pas vrai. Ne me dis pas ces bêtises. Ce n'est pas vrai, je ne peux pas y croire. Igwe a donné son accord. C'est un mensonge, je ne peux pas y croire. Lolo, as-tu oublié que tout le monde dans notre communauté croit et sait déjà que Uchenna, ma fille, ils sont déjà en relation et ils vont bientôt se marier. Je t'avais prévenu, je t'avais dit. Quand tu cherches à reprendre cette nouvelle, je te l'avais dit. Tu ne voulais pas me croire. Hein? Tu ne voulais pas me croire. Assez. Je n'ai pas écouté. Oui, je n'ai pas écouté. Parce que je voulais que mon fils Ubuanja puisse monter sur le trône. Quand mon mari rejoindra ses ancêtres et pas son fils aîné, le fils qu'il a eu avec sa première femme, Prince Uchenna. Hey! Lolo, de quoi parles-tu? Oui, en fait, c'était ça l'idée. Hey. C'est pour cette raison que je m'étais offerte à toi. Je sais bien que si jamais on se fait attraper, tu seras exécuté et je serai banni de ces royaumes. Oui, mais je me suis quand même entêté et je t'ai séduit durant 3 ans. C'est ça. C'était donc ça mon plan. C'est pour ça que je te faisais du chantage que j'avais exposé notre relation auprès d'Igwe. Si tu ne réussis pas à convaincre ta fille d'accepter d'empoisonner le prince après leur mariage. Il y a de cela 3 ans. Un féticheur très puissant m'a révélé que seule une femme avec qui le prince a couché peut réussir à l'empoisonner. Voilà pourquoi je fais recours à toi, Ono, ainsi qu'à ta fille dans cette affaire. Comment oses-tu? Hein? Lolo, comment oses-tu? Comment oses-tu m'amener, moi et ma fille, dans un plan comme celui-ci, sans que nous ne le sachions? Je ne t'ai pas utilisé abusivement, Ono. Notre tradition a vraiment été claire là-dessus. Je veux que mon fils puisse devenir le prochain roi du royaume d'Afibo. Et ta fille sera la reine. Et cela veut tout simplement dire que toi, tu deviendras le beau-père du royaume d'Afibo. Réfléchis. Lolo, tu n'as aucun droit d'emmener ma fille et moi dans ce genre de plan machiavélique sans que nous ne te donnions notre accord. Oh non, je suis désolée. Je t'ai fait venir ici pour que tu puisses empêcher le prince de ne pas épouser cette fille du royaume d'Okunza et qu'il ne puisse plus jamais être candidat au trône. Hein? Le prince Uchenna ira à Okunza demain pour la rencontrer. Donc, rassure-toi. Rassure-toi qu'il ne puisse pas revenir de ses voyages en vie. Hey! Les dieux d'Afibo! Es-tu en train de me demander des... Es-tu en train de me demander de... Tuer le prince Uchenna. Hey. Soit, je vais accepter les conséquences. Et je dirai à Igwe que tel que tu es là, tu couches avec moi. Hey, non. Pourquoi tu fais ça? Tu fais quoi? Pourquoi? Tu sais que je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu peux et tu le feras. Oui, fais-le pour que ta fille Okoma devient la prochaine reine du royaume d'Afibo.
De cette façon, mon fils l'épousera. J'avais déjà causé avec lui. Je sais que je finirai par le convaincre. Ezioku. Lala, non, tu me mens. Non, je ne peux pas me calmer devant ça. Je ne peux pas rester sans rien dire. Le roi doit apprendre ça. Et Iko doit apprendre ça. Ah oui. Tu vois que je suis vraiment heureux de te voir dans mon royaume. Hein? Qu'est-ce que je vais faire là? Allez rapporter ce que j'ai vu et entendu à la forêt, à notre roi. Et s'ils parviennent à le nier, comment vais-je le prouver? Oui. Jusqu'à ce que le roi envoie quelqu'un vers la forêt là-bas pour attraper la reine et Ochiogazi. Certainement, ils auront déjà fini. Ils seront déjà partis de la forêt. Qui croira un pauvre chasseur comme moi? Si il arrive que tous les deux arrivent à nier et se mettent contre moi, alors je serai sévèrement puni. Mais finalement, si je ne parviens pas à les exposer, le prince Uchenna, l'héritier du trône du royaume d'Afibo, sera en danger. Pourrais-je me le pardonner si jamais cela arrive? Hein? Le dieu d'Afibo, s'il vous plaît, dites-moi quoi faire. S'il vous plaît. Attendez, n'allez pas blaguer là-bas et faites confiance en personne et croyez en personne. Accomplissez juste votre mission, vous avez compris? Et je vous promets de vous donner beaucoup d'argent. C'est bon, vous l'éliminez, vous avez compris? D'accord, c'est bon, partez. Ce ne soit pas ce que je suis en train de penser. J'espère que ce ne soit pas ce que je suis en train de penser. Je crois pas que c'est ce que je pense. J'espère que ce ne soit pas ce que je suis en train de penser. Oui, on est venu. On est là. On est venu chercher le prince. Et... garde, attaquez! Mon prince, tu es là? D'accord, mon prince, laisse-moi les tuer. Le prince est où? Cherchons le prince, mon prince, ça va? Ça va, oui. Ils sont morts. Il n'est pas mort. Laisse-moi l'abattre. Laissez-moi l'abattre, oui. Laissez-moi l'abattre. Abattre. Abattre.
Abalé, vous avez essuyé nos terres. Et sachez que votre sang sera utilisé pour nettoyer notre communauté. Garde! Votre majesté. Prenez-moi ces choses, amenez-les à la forêt maléfique et tuez-les. À vos ordres, majesté. Prenez-les! Non, Igwe. Je suis désolée, Igwe. Chena, s'il te plaît, essaie de parler à ton père, je t'en prie. Mon fils, je t'en prie, aide-moi à raisonner ton père. Qu'il me laisse même mieux qu'il m'envoie d'exil à la place de me tuer. Comment suis-je appelé mon nom? Après avoir causé un tel embarrassement à toute la famille royale, et tu appelles mon nom? Comment oses-tu? Prenez ces choses et apportez-les à la forêt maléfique. Amenez-les! À vos ordres, la majesté. Igwe! Non, Igwe! Majesté, j'implore votre pardon. Mon fils. C'est bien. Je ne peux pas diriger ton frère contre toi. Tu es mon unique. Et mon sang coule dans tes veines. Et je sais ce que je peux faire. Lève-toi, mon fils. Lève-toi, s'il te plaît. Quoi qu'on aille faire tout le palais royal, je vais essayer de corriger cela. Ah, d'accord, c'est bien, mon fils. Lève-toi, mon fils. Lève-toi. Merci, mon père. Ubaja. Mon frère, je n'ai rien contre toi pour ce qui s'est passé. Tu es mon sang et tu resteras toujours mon frère. Tout va bien, viens là. C'est comme ça, les frères. Merci, mon frère. C'est bon. Onowa, le grand chasseur de notre communauté. Je ne sais quoi te donner pour tout ce que tu as fait pour la famille royale. Tu as risqué ta propre vie pour sauver celle du prince, les successeurs du trône du Hadouem d'Afipé. Oh, que les dieux de nos terres et que les esprits de nos ancêtres continuent à te bénir ainsi que tes générations à venir. Maintenant, Onowa, je veux que tu désignes tout ce que tu veux. Ainsi, la royauté va agréer ta requête. Voilà, Igwe, je fais ce que chaque fils qui aime son royaume aurait fait. Igwe, je ne veux pas me sentir comme un héros. Et je veux remercier les dieux de m'avoir choisi pour sauver la situation. Igwe, si vous insistez à me récompenser comme vous dites, je vous demanderai alors une seule chose. Et cette chose, j'aimerais être un ami à Igwe et mes princes ici présents. C'est très touchant. Certainement. Quel caractère de noblesse, majesté. Oui, c'est un caractère noble. Un bon fils. Oui, c'est un noble messieurs, en effet. Onowa, ta requête t'est accordée. Tu es maintenant l'un des grands amis de la royauté. Qu'il en soit ainsi, je dis. Depuis que l'ancien Igwe et mon père ont dit à mon ami d'enfance qu'il est couronné roi aujourd'hui, et moi et Ouka, cette histoire est notre deuxième pour aujourd'hui. La folie a toujours des conséquences très néfastes. Oui, la folie rattrape toujours. La folie de mes pères, oui. Comment faire une telle erreur? Comment déclarer une telle amitié? Je n'arrive toujours pas à les comprendre. Oui, depuis que cette histoire m'a été racontée, je n'arrête pas d'y penser et je n'arrive pas à la comprendre. Comment est-ce qu'on peut faire une telle chose? Comment peut-on être aussi naïf? Comment arriver jusqu'à ce point? Je n'accepterai aucune autre récompense que le trône. Oui, le trône de ce royaume. Oui, il faut que je devienne le roi de ce grand royaume. Oui, il faut que j'accède au trône. Il faut que je sois le roi. Que le dieu donne un nouveau roi à ce royaume. J'ai déjà un plan pour y arriver. Il faut un héritage à mes enfants. Il faut que j'accède à ce trône.
Oui, je le ferai. Je vais accéder à ce trône. Oui, je ferai tout pour y arriver. Il faut que j'accède à ce trône. Oui, il faut que j'accède au trône. Oui, le trône doit être à moi. Je me prosterne devant ta grande royauté, le maître de la terre. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Mon client et votre fervent serviteur, Chief Oluka, est ici. Il veut votre aide et accordez-lui. Il vous écoute, chef. Bienvenue, monseigneur. Bienvenue. Le prince de mon royaume est sur le point de se marier. Je désire qu'il soit le mari de mon unique fille qui est l'amour de ma vie. Voilà pourquoi je suis ici. Je veux une aide. Le prince et votre fille sont des amis depuis leur enfance. Mais ils ne sont pas en relation. Alors faites que le prince tombe amoureux d'elle. Leurs âmes seront invoquées ici et seront mises ensemble spirituellement. Pour éviter tout type de risque, maintenant ou après. Non, 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 je ne veux pas que cela n'arrive. Quand j'essaie d'utiliser des moyens spirituels, c'est pour que mon fils devienne le gouverneur d'État. Je ne savais pas que son ennemi avait été dédié au dieu des eaux. Et tout s'est passé par un désastre. Alors je ne veux qu'aucun de mes enfants soit frappé de quelque chose de spirituel. Mon fils est un licencié des études en Amérique. Alors s'il te plaît, je ne veux pas qu'il soit emporté par quelque chose de spirituel. S'il te plaît. Et c'est tout? Oui. Alice! Wallace! Ah oui, il existe, Smolé! Vivez-moi! Karachi ma puja! Karachi ma puja! Bien. Vous accordez votre requête pour que ça ne touche pas votre fille spirituellement. Ne peut-être faite que par vous pour être sanctifié. Es-tu prêt à faire ça? Oui. Oui, Seigneur Oluka, je suis prêt. Je suis prêt à faire tout ce que ça va demander. Laisse-moi! Karachi d'Apuja! Karachikapidja, je l'ai témoigné comme ça. Va chez Igwe et discute le problème du mariage avec lui. Une fois que tu l'aurais fait, l'œuf quittera ton corps spirituellement pour le posséder. Avec ça, il ne sera pas seulement convaincu. Il va vraiment adopter cette idée, comme si c'était venu de lui, comme une ambition individuelle.
Et quand il en parlera à son fils, alors l'œuf va aussi le posséder. Et cette chose sera résolue. Et comme tu ne veux pas que le maître des eaux puisse faire quelque chose à ta fille, alors les conséquences ne la toucheront jamais. Et le fait d'épouser le prince sera désormais sur votre responsabilité. Ce n'est pas un problème, Dr. Loco. Ce n'est pas un problème. Hein? Jessica ne m'a jamais refusé quelque chose. Je vais le faire, je vous assure. Alors, bonne chance. Merci. Ugu Nandemba. Ugu Nandembo. Eneke. Igwe. Ramène ces cartons dans la poubelle royale. Et après, rejoins-moi dans le collège de mes collègues à côté. Comme cela vous plaît, Majesté. Quoi encore? Qu'est-ce qui vous amène dans mon palais, Chief? Merci de me recevoir. Comme toujours, Votre Majesté. Ça, ce n'est pas la première fois que vous veniez ici dans mon palais. Bien avant même que je n'accède au trône de mes parents. Telle était la tradition de ton père. Et voilà que c'est votre première fois de demander une audience particulière. Et je vous accorde celle-ci. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? Oh, oui, votre majesté. La mienne est l'une des familles les plus valeureuses de notre royaume. C'est votre grand-père qui a accepter que mon grand-père vienne dans la famille royale. Votre Majesté, il y a beaucoup de familles qualifiées. Votre grand-père avait amené le mien dans le conseil royal. Il lui avait accordé la mobilisation dans toute la communauté. Et cette amitié est allé jusqu'à nos parents, à vous et moi aussi. Votre Majesté, il n'y a aucune des plus mieux, des plus sécrétifs que celle avec vous, Majesté. Et voilà qu'avec nous, ainsi qu'à nos enfants. Très bien, Suzy, mais pourquoi es-tu en train de parler comme si tu me rappelais quelque chose? De toutes ces choses, Votre Majesté, le retour de l'effigie de Iona, voir comment la procédure de l'ascension au trône a commencé, et le prince n'est pas marié ou engagé. Ou encore, il l'est déjà? Non, il ne l'est pas. Et qu'est-ce que vous voulez dire, Votre Majesté? Je me rappelle encore. Vous avez rejeté avec force le fait que votre père avait choisi pour vous une épouse. Il s'agissait bien de ma femme et moi qui vous avions amené vers votre petite femme il y a un moment avant même votre installation comme l'héritier au trône. Et cela vous avait libéré de cette tradition. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose pour votre propre fils? Et pourquoi les laisser se mordre la poussière? Par les dieux, s'agissant du choix d'une épouse. Ce n'était pas l'idée de mon père de seconder la tradition. C'était mon temps. C'était mon choix, mon propre choix. Et nous avons obtenu l'accord de papa.
Marvin n'est pas un garçon que nous pouvons discuter ce genre d'histoire. Et moi, je suis suffisamment éduqué et avancé en civilisation. Alors, respectons-les, mon frère. Votre Majesté, notre amitié, j'ai vécu déjà 3 générations. En ce qui concerne mon humble avis, ceci est le temps de prendre cela comme un acquis. Marions-les, mon roi. Marions nos 2 familles. Jessica et Mervyn, le mettre ensemble comme femme et mari. Alors, dans ce cas, nous serons de beaux parents, en même temps des amis. À quoi pensez-vous, Votre Majesté? Brillante idée! Très merveilleux. Marvin est mon fils et d'ailleurs, il est déjà de retour dans son pays. Je l'aurais téléphoné et lui demandé de venir directement ici, puis d'aller directement vers Jessica pour lui demander la mère en mariage. Et est-ce que le prêtre demande-lui de venir à la maison immédiatement? Et à quoi est-ce que cela est important? Le candidat au trône d'Afibo, en ce qui concerne la tradition, doit proposer à sa future conjointe face à face. Et si tel n'est pas le cas, alors c'est rejeté. Oh, vraiment, vraiment. Je n'en savais absolument rien. Je vais la faire venir immédiatement. Elle n'a plus rien à traîner là-bas. Au courant d'état. Chief. Oh, papa. Hey, allô, papa, bonsoir. Oh, bonjour, ma chère. Il est 7h du matin ici. Hey, désolé, papa, j'ai tellement de choses à faire. Ici, chez nous, en Californie, c'est déjà le matin. Oh, tu es en Californie? Oui, papa, je suis en Californie. La province de la Nouvelle-Espagne, l'actuel Mexique. Oui, papa, c'est passé tellement vite. Je suis passée juste pour un temps de stage. Désolée pour ne t'avoir pas dit. C'est tellement dur pour moi et le climat n'est pas du tout favorable. Il fait très froid ici, papa. Je sais. Je comprends. Comment ça se passe? Combien de temps est-ce que ça te prendra pour finir tes recherches? J'ai déjà ébauché la grande partie de la problématique qui m'a amenée ici. Je suis à mon 3e travail pratique. Je crois que déjà, ce week-end, je pourrais déjà rentrer. Ça te prendra environ 4 jours. Ok. Angel, pourquoi ne pas accorder à ton père même 1 semaine de ton emploi du temps? Que je te donne quelques semaines, es-tu en train de venir en Amérique? Non, c'est pas du tout ça. Je voudrais que tu reviennes. Je veux que tu puisses venir, que nous puissions passer du temps. Tu sais très bien qu'on l'a passé il y a beaucoup, non? Tu trouves pas? Tu dois évidemment t'accorder aussi quelques temps de congé, tu sais, avec les études. C'est compliqué, non? C'est plutôt fantastique. Mais... Mais quoi? Papa, je n'ai pas assez de temps ici. Je n'ai que 6 mois pour finir tout le programme de mon doctorat. Et je me sens déjà stressée vu le nombre de cours qu'il nous reste à voir.
Tu ne sauras imaginer comment je me suis démenée pour ne trouver ne serait-ce que ce temps pour faire ces déplacements. Le fait que je sois ici me met déjà en retard par rapport à mon programme académique. Où es-tu maintenant? Oui, Angel, c'est quelque chose de très important pour ton présent et ton futur. C'est juste pour la famille entière. Est-ce que tu comprends? Et tu dois physiquement être présente pour que nous puissions y arriver. Tu comprends ça? C'est sûrement urgent. Papa, quelle est cette chose qui paraît aussi urgente et pour laquelle je dois arrêter mon programme d'université, tous les travaux pratiques que j'ai réalisés jusqu'ici et les efforts consentis juste pour descendre au Nigeria? Angel, je sais que tu as investi beaucoup sur tes études. Je comprends, mais là, j'espère que tu dois comprendre qu'il est très important que tu sois présente. Et tu dois impérativement être présente car c'est important. Intéressant. Et tu ne penses pas que je dois connaître c'est quoi le problème avant que je ne fasse mes bagages pour descendre là? Oh, tu penses vraiment que je peux t'amener, toi ainsi que toute la famille, dans quelque chose qui n'a aucun intérêt avec nous? Je te demande juste de faire un très grand sacrifice pour quelque chose qui ira à notre avantage. Peux-tu? Papa, pour l'amour du ciel, tu parles à une fille de 26 ans qui a déjà couvert son cursus élémentaire et professionnel et qui envoie de devenir experte dans cette même école. Dis-moi, c'est quoi le problème ou soit vous l'oubliez, s'il te plaît. Je te rappelle. Je te rappelle. Papa? Il faut que je trouve un moyen pour convaincre cette fille. Oui. Oui, c'est vrai qu'elle est très intelligente, mais pas plus que moi, son père. Je dois trouver un moyen de la convaincre. Oui, il le faut vraiment. Car il faut que tous mes objectifs soient finalement atteints. Oui, elle ne peut pas être plus intelligente que moi. Il me faut rapidement savoir quoi faire pour enfin la convaincre. Oui, je dois le faire aussi vite que possible. Car je suis impatient que mes objectifs soient atteints. Es-tu toujours à la cité? Alors, c'est bon. Je comprends. Je dirai à ton père de t'appeler. Et il va absolument tout t'expliquer. Oui, il le fera. Ok, ma fille. Bye. Elle continue d'insister. Même avec toi, le roi, il faut lui parler et lui dire toutes les choses concernant les besoins et toutes choses que nous devons faire selon ce que nous voulons. Chifawonka, Jane Seita n'est pas une fille ordinaire. Elle est d'une noblesse si élevée de l'ordinaire. Selon moi, elle n'est pas vraiment intéressée au trône tel que nous le pensons. Elle est juste en train de se comporter comme une fille qui cherche à s'épanouir dans la vie. Personne d'autre que toi peut le dire ça. Un homme qui cherche son cœur comme le prince Elvin, hein? Chief Anuka, aussi longtemps que toi et moi savons, Jessica et Mervyn sont des amis proches. Et s'ils étaient en relation, ils ne l'auraient en parlé depuis un moment. Et même s'ils sont en relation, cette même tradition qui empêche l'homme qui propose à une femme lui empêche aussi d'engager une discussion qui va diriger à ça et sans qu'il ne soit physiquement attirant l'un par l'autre. Et par-dessus tout, pourquoi est-ce que vous insistez que les choses se passent telles que vous les désirez? Majesté, tu l'as bien dit. Jessica, ma fille, est une jeune femme très instruite et elle est vraiment sophistiquée. Tu vois, Majesté, je suis en train de prendre mon temps
en faisant très attention, en parlant du sujet, pour que je ne dise pas ou ne fasse pas quelque chose qu'elle va considérer comme une insulte à sa sensibilité. Cette idée de lui demander de laisser quelque chose qu'elle trouverait importante pour sa vie et revenir à la maison pour que son ami parvienne à lui proposer, c'est quelque chose que je... Chifonka, ça c'est notre tradition. Cherche les moyens de la convaincre de rentrer à la maison de n'importe quelle façon. Et vraiment là, je ferai de mon mieux de le convaincre de n'importe quelle façon quand il sera ici. C'est très bien, Majesté. Je la ferai revenir ici. Tu n'as qu'à gérer le prince. Et d'ailleurs, par rapport à cela, je pense qu'on va vraiment bien aimer nos familles. Papa. Vraiment, papa. Je te vois encore. Tu as l'air vraiment en forme. Vraiment. Mais c'est sûr. Mes salutations. Odogu. Ah, ok. Mon prince. Notre prince. Je ne veux pas contre la tradition. Vraiment. La maison. Allez, venez, entrez. Je suis chez moi. Pleinement conscient du fait que tu as arrêté avec ton emploi à Boston. Surtout, tu l'as fait aussitôt que je t'ai appelé pour te faire voir ce qui est arrivé, afin de venir ici. Honnêtement, après que tu aies décidé de rester en Amérique pour travailler après tes études à Harvard, au lieu de rentrer à la maison, t'occuper des affaires de la famille telles que convenues, ma grande peur était que tu pourrais prendre une décision qui puisse détruire notre dynastie. Quand il sera temps, comme il l'est maintenant. Mais papa, maman et toi m'avaient donné la meilleure éducation que chaque enfant pourrait demander. Alors, Harvard ou pas, je sais qui je suis. Ça, c'est ma racine. Merci beaucoup pour ces mots, fils. Je suis vraiment fier de toi. Je suis fier de toi aussi, papa. C'est toi mon héros. Encore une fois, je suis fier de toi. Très, très fier de toi. Revenons un peu à ce qui t'a fait rentrer ici. As-tu quelqu'un dans ta vie maintenant? Papa, j'étais très occupé à avoir mes diplômes et à finir toutes mes études et enfin me construire une belle carrière aux États-Unis. Mais je n'ai pas encore disposé de mon temps pour essayer de trouver une jeune femme. Et cela m'inquiète beaucoup maintenant. Comment ça? Oui, papa. La peur de n'avoir qu'une seule option, celle d'aller comme la tradition me le demande. Et si la personne que les dieux vont choisir pour moi n'est pas celle que moi j'aime, je serai obligé de vivre avec une personne pour qui je ne ressens rien du tout pour le restant de ma vie. C'est vraiment effrayant, papa. C'est exactement ce qui s'est passé à mon époque. Mais en fait, je n'avais pas pensé à la défaite. Je me suis investi à la recherche d'une femme. Et j'ai vraiment réussi à me mettre à une bonne relation avec ta maman. En fait, voilà que je me suis engagé 2 semaines avant que je ne sois installé comme le prince héritier. C'était une femme magnifique. Et tu peux facilement la tester avant qu'elle le meure, 6 ans avant. Et pourquoi ne peux-tu pas faire la même chose? Tu sais, entre le jour où l'effigie des Iuda était revenue et le processus de l'installation, le prince a 6 semaines qu'il peut demander pour se préparer, s'il le souhaite. Papa, maman disait que pour toi c'était facile. Parce que sa mère, qui était une bonne amie à l'époque, l'a convaincue à vouloir lui donner une petite chance. Et maintenant, je n'ai pas une bonne amie comme j'avais Cynthia. Elle n'est même pas là pour m'aider. Et même si elle était là,
Toutes ses amies sont des Américaines. Et sincèrement, je ne vois aucune d'elles accepter un tel arrangement. Jacinta est ton meilleur ami depuis l'enfance. Nous ne sommes pas unis en relation. Hein? Nous sommes juste des familles amies. Oui. Alors, tu essaies de dire quoi par là? Pourquoi pas elle? Ou tu ne vois pas que elle pourra faire une très bonne reine? Qu'en penses-tu, fils? Merci énormément, Majesté. J'ai beaucoup apprécié. La balle est dans mon corps maintenant. Et tu as ma parole, je ne vais pas du tout te décevoir. Merci encore une fois. Au revoir. Oh. Allô, papa. Je crois qu'il est déjà 9h au Nigeria. Comment tu vas? Oui, bonsoir, ma fille. Oui, c'est précisément ce temps-là. Comment vas-tu? Ouais, pas mal. Tu m'as promis de me rappeler la fois dernière, mais tu ne l'as pas fait. Oui, ma fille. J'attendais avoir plus de clarté sur l'affaire dont je t'avais parlé autrefois, afin de pouvoir répondre à toutes tes questions avant de te rappeler. Ah oui, je crois que tu es éclairé maintenant sur la problématique et que tu peux m'en parler. Oui. Bien, je t'écoute. Puis-je te parler avec beaucoup de confidence? Allez, papa, tu as toujours été mon confident depuis mon enfance. Tu peux me faire confiance, je suis là, parle. Et bien sûr que je vais répondre à toutes les questions que vous allez me poser. Je te promets aussi que tout ce que tu me diras restera entre nous deux et que je garderai secret. Très bien, dans ce cas, à quel point connais-tu le prince Marvin? Papa, c'est toi qui me poses cette question, vraiment? S'oublie qu'on a passé tout notre temps d'enfance ensemble. Vous n'êtes pas censé ignorer combien il est proche de moi par rapport à mon demi-frère Jeffrey. Je suis étonnée que tu me demandes ça, papa. Pourquoi tu demandes? Ça, je vais expliquer plus tard. Mais d'abord, serais-tu d'accord d'aller un peu plus loin avec moi? Ça devient... Est-ce que tu peux d'abord répondre à la question que je t'ai posée, ma fille? Alors, réponds-moi. Désolé, papa, je ne saurais te répondre sans que tu ne m'éclaircies. Je veux savoir pourquoi tu m'as posé cette question. Écoute-moi bien, ma fille. Le prince Marvin est de retour au pays pour son installation, comme le prince héritier du royaume d'Afibo. Mais l'exigence est qu'il doit choisir une femme entre les 7 jeunes filles qui doivent être désignées par les dieux. Attends une minute, papa. Ne me dis pas que c'est pour ça que tu voulais que j'arrête mes études ici aux États-Unis, juste pour venir compétir avec ces filles locales du village pour qu'enfin je sois mariée à ces soi-disant princes. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. La tradition l'autorise à épouser la femme qu'il veut, si seulement il arrive à choisir cette femme avant son installation comme le prince héritier. Le prince Marvin n'a pas encore de fiancée qu'il a choisie jusque-là. Écoute-moi, papa. Son père voulait qu'il vienne te proposer. Le roi avait eu cette idée le même jour où je t'avais appelé la fois dernière. Mais moi, je n'ai pas voulu t'en parler directement parce que pendant ce temps-là, le roi essayait d'abord d'avoir le consentement du prince Marvin, tu vois ça? Alors, il est venu ici et le roi lui en a parlé. Et puis, c'est aujourd'hui que Marvin est arrivé à la maison. Et il y a un moment seulement que le roi vient de lui en parler. Et imagine quoi? Marvin a été d'accord. Mais il y a un petit problème. Comme candidat à la couronne. Et la tradition interdit que le prince voie une femme sans qu'ils ne soient physiquement ensemble. C'est donc pour ça que tu voulais que je rentre à la maison? Papa, est-ce que je peux te dire une vérité? Oui, ma fille. Je ne peux épouser le prince Marvin ou quiconque dans cette affaire. Mais pourquoi tu me dis ça, ma chérie? Les hommes n'est pas mon affaire, papa. Tu veux dire quoi exactement? Je suis lesbienne. Au vrai sens du mot, papa.
Papa? 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 Papa, tu es là? Tu n'as qu'à faire avec, ça c'est moi. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et je lui ai dit tout ce qu'un père pouvait dire à sa fille. Mais elle n'a pas changé d'avis, Majesté. Elle ne va pas quitter ses cours pour venir ici. Mais si le prince l'aime assez pour l'épouser et que le roi approuve cela, alors ils doivent trouver un moyen pour retarder le processus. Pour au moins 6 mois, quand elle aura fini son programme de doctorat. C'est ce qu'elle a dit exactement, Majesté. Notable Ounka. Mais papa, c'est vrai. Mais tu es quand même son père. Tu n'aurais pas dû la laisser prendre des décisions comme ça, tu... Oui, je sais, je sais. Oui, je sais, je sais. Mais ma fille m'a fait promettre de ne plus lui en parler jusqu'à ce qu'elle termine avec ses cours de doctorat. Peut-être que Sa Majesté retardera un peu le programme jusqu'à ce qu'elle termine avec ses programmes de doctorat. Mais pour 7 mois, est-ce impossible? Ce processus est totalement dirigé par les dieux, Chifonka, et tu le sais. Marvin et moi ne sommes pas des dieux. Nous vivons de même manière que tout le monde, sous leurs ordres. Je ne me vois pas aussi sur le point de pouvoir manipuler le processus à cause de ta fille. Car nous devons échapper la colère des dieux sur nous. Oh, très bien, Laure. On peut oublier ça. Oui, on peut oublier ça. Je veux dire, nous pouvons continuer notre belle amitié que nous avons construite depuis des années. Majesté, mon prince connaît sa fiancée. Dieu des ancêtres de notre royaume, vous qui voyez dans la ténèbre et dans la lumière, écoutez le cri de votre enfant au milieu de la tempête. Vous connaissez le secret des hommes morts et vivants, Onou et les anciens de notre royaume ici présents, et tout le monde ici, sont venus devant votre reine pour vous écouter. Parlez maintenant. Mentionnez les 7 jeunes filles desquelles notre prince choisira sa future femme. Parlez maintenant! Parlez! Onou et les anciens de notre royaume d'Afibo, nous vous saluons. Nous vous saluons, les dieux de nos ancêtres. Et c'est moi, merci d'être venu ici en ce lieu avec tous nos anciens et notre Onou. Merci, Dieu de notre royaume. Il est temps que le prince Marvin trouve enfin sa future femme. Ichioma, fille de Uchi et Kano. Ifechi, le fille de Mazi et Kano. Omachi, fille de Chifundeke. Uzona, fille de Mazo Okocha. Ujungwa, fille de Chifundeko. Chioma, fille de Mazi Okodi. Les 7 jeunes filles se montreront au bon moment et lui-même va confirmer celle qu'il veut. Le grand sage, mais comment? Rien ne peut confondre les mystérieux Ezemwa. Les dieux sont toujours sages. Oui,
Il faut choisir au moins deux bonnes filles. Et quand le prince choisira, il sera l'homme très heureux de la terre de ce royaume. Désolé les grands sages. Et désolé, je pense que j'ai remis en question ta sagesse. Merci aussi de nous avoir parlé à l'honneur de notre grand royaume. Merci encore les grands sages. Onohu, Iluche, le temps arrive très vite. Le grand sage. Nous pensions que le nom de cette jeune fille était le dieu sans sage et infaillible. Vas-y, Onohu. Merci, le grand sage. Allons. Parle. Les jeunes filles ont été mentionnées. La dernière fois que j'étais là, tu m'as fait croire que je devais juste aller au prince et au roi et leur faire croire que je n'avais aucun sentiment négatif pour le retour de leur fils. Et rester à attendre jusqu'à ce que les dieux mentionnent le nom de ces jeunes filles. Tu as dit qu'à partir de là, tout le monde et même le maître écouteront tout ce que j'aurai à leur dire. J'étais juste à demander de parler. Je sais. Tu pensais que la septième servante, dont les dieux n'ont pas cité le nom, devait être Jinsinta. Tu te trompes. Elle ne l'est pas. Alors c'est qui? Alors à quoi pensent les dieux en gardant les noms là secrets? Jusqu'alors. Les dieux de Plouis ne m'en parlent pas surtout à ce sujet. Et tes intentions sont de continuer toujours à insister que Jinsinta ne peut pas assumer seule. S'il faudra un effet spirituel pour manipuler son âme, oui, je continue d'insister. Aide-moi à manipuler tout ce processus-là parce que je veux que le prince Marvin arrive à patienter jusqu'à ce que ma fille termine son programme de doctorat à Harvard. Et quand cela arrive, je planifie de la convaincre à se marier malgré ce qu'elle a choisi comme orientation sexuelle. Tu es vraiment confiant à propos de ça. Alors, sache que l'œuf que je t'avais donné ne va plus affecter le fils et son père. Calme-toi. Cet œuf ne possède pas les gens qui ne sont pas capables d'assumer la responsabilité. Ton échec de ne pas réussir à ramener ta fille à la maison ne nous concerne pas. Calme le prince ainsi que son père avant qu'elle ne revienne. Mais fais attention avec ta façon de les gérer, désormais. Parce qu'ils sont maintenant pleinement au contrôle de leur tête. Maintenant, pour te répondre, une fois que tu seras à la maison, appelle. Igwe, mon prince, je vous salue. Es-tu la fille dont j'ai entendu parler en train de déranger pour avoir accès au palais et chercher à voir le prince et moi immédiatement? Oui, votre majesté. Et tu penses que c'est normal pour toi de venir comme ça jusqu'au palais? Tu viens voir quelqu'un qui habite au palais comme ça, habillé comme je ne sais pas moi qui. Oui, votre majesté, c'est ce que je fais pour vivre. Votre Majesté, mon business, c'est le sexe. Et tu oses fouler tes pieds abominables sur les sols de mon palais? Votre Majesté, si ma présence ici est une mauvaise chose dans votre royaume, vous devriez réellement me remercier. Vous, ainsi que le prince, pour ce que je suis sur le point de faire. Quelle insolence! Quelle insolence! Comment oses... Garde! Non. Papa, cette fille n'est pas respectueuse. Comment peut-elle venir jusqu'au palais comme ça? Laisse-moi en finir, fils. Calme-toi. Jeune fille, vous avez l'air de quelqu'un ayant une mission cruciale. Oui, votre majesté. Parlez. Merci beaucoup.
En tout cas, désolé si je vous ai vexé, vous ainsi que le prince. Mon nom est Agathe. Je suis originaire d'Ogoja. Je vous ai déjà parlé de ce que je fais pour vivre. Je ne regrette rien, c'est ma vie. Mais l'une de filles, parmi les filles que le prince devra choisir sa future épouse, faisait le même boulot que moi depuis son première année à l'université. Si ce n'était que pour ça, je n'allais pas venir jusqu'ici pour l'exposer. Mais le fait est qu'il y a quelque chose de dangereux, quelque chose d'horrible qui peut porter atteinte à la vie du prince. Je vous en prie, jetez un œil sur ces papiers. Désolée si je mal fais de vous les apporter, mais je suis prête à les défendre n'importe où. Votre Majesté. Igwe, mon prince. Igwe, Izuchi est là. Va chercher l'autre fille. Agatha, Chioma Udoka, mon ami, es-tu surprise de me voir ici? Bien sûr que oui. Que fais-tu ici? Silence! Désolé, votre Majesté. Il est très intéressant que tu la connaisses mieux aussi. Oui, votre Majesté. Et j'ai pris cette décision aujourd'hui. Ma belle, c'est la copie du résultat de l'examen du VIH que toi et moi avions passé à l'université de Calabar, précisément à l'hôpital des enseignants, le mois passé. Agatha. Oui. Je les ai apportés ces documents, et pas que ça, je les ai aussi parlé avec détail du sale boulot qu'on faisait il y a de cela 6 ans, la prostitution. Comment tu pouvais faire ça? Hein? Y a-t-il Pourquoi? Une vérité en ceci, Choma? Votre Majesté, je suis désolée. Je suis désolée. Les dieux de nos terres. Merci, fille. Oui. Tu seras récompensée pour ça. Merci, votre Majesté. Emmenez-la. Oui, Majesté. Ça, c'est un problème que nous trouverons dans la majorité des personnes qui vivent en dehors de notre royaume. Afin d'être qualifié, être nommé parmi les prétendants choisis par le dieu. Une fille ainsi que sa famille ne devront avoir aucun antécédent et ne doivent avoir aucune maladie chronique qui peut être fatale. Ne doit pas avoir d'enfant avant ou avoir commis l'avortement. Et ne doit avoir aucune maladie sexuellement transmissible. Comment est-ce que le dieu peut l'avoir nommé? Comment? Le grand chef doit nous expliquer tout ça. Le grand prêtre? Lui qui est pourvu de toute connaissance, auprès de qui nous allons nous ressourcer. N'essayez plus voir. Et a pu lui permettre de détruire notre prince en choisissant une telle fille parmi toutes les fiancées du prince. Imaginez ce qui allait arriver à votre dynastie. Elle n'avait pas été dévoilée par cette fille. Elle devenait la femme du prince, mais a été dévorée par des bras, par des cochons.
deviner ce qui allait arriver. Qu'est-ce que tu insinues, Tchitchiki? Quand une fille est ici au palais, et quelques heures avant d'être nommée par les dieux, Elonor leur a tout dit en ce qui l'en concernait. Et tout ceci pour leur permettre d'avoir le temps de parler. S'il y a une d'entre elles qui a un quelconque secret qui pourrait la disqualifier, au lieu d'emboîter toute la procédure, vraiment. Est-ce que Ichuma a parlé? Est-ce que nos dieux ont vraiment parlé? Il n'y a que les dieux qui savent ce que d'autres filles nous cachent dans le secret pour que nous ne tombions plus ici. Sa Majesté t'a demandé de clarifier ce que tu dis, Ijeke. Prenons tous la charge de cette procédure en tant que dirigeant de ces terres, maintenant et ici. Comment? Ijeke a déjà été assez clair. Les dieux n'ont pas cessé de nous décevoir. Ils ont l'air d'être contre nous. En bref, je suggère que le pouvoir de ce conseil, le conseil de ce grand royaume, d'intimider les dieux de ce royaume. Les grands dibias de notre royaume. En évoquant le pouvoir de ce conseil, avec le grand tablier de ce royaume, Ichiekite a parlé. Nous ne pouvons pas le contredire. Même pas moi, mais seulement les dieux. Alors nous devons nous prendre en charge tel qu'elle a demandé. Je vous demande maintenant, comment? Je suggère que nous continuions le processus avec ces jeunes filles que nous avons déjà, Majesté. Non. Je suggère qu'on se débarrasse d'elle complètement. Et introniser le prince comme le prince héritier et le laisser faire le choix. De telle sorte qu'il trouve une femme comme un jeune homme cherchant sa propre femme. Une deuxième suggestion. Qui est d'entre eux? Majesté, dans des circonstances pareilles, ça, ce sont les deux choix. Nous devons faire avec. Mais je demande seulement au conseil de finalement faire un choix. C'est que les membres du conseil peuvent aller à la maison pour examiner tous les choix que nous avons à faire ici, votre majesté. Deux opinions. L'installation du prince comme prévu, c'est à 4 jours de nous. Un jour avant ça, le conseil sera réuni afin de décider par vote. Et la décision sera prise par majorité simple de voix. Igwe. Igwe. Non, ce n'est pas du tout vrai. Toi? Non, ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'elle se cache ici vraiment? Ça, c'est du jamais vu. Non. Comment est-ce possible? Vraiment. Retourne ici. Assieds-toi là-bas. Hein? Un couteau? Un bro, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit assieds-toi. Frérot, au sol? Si tu as du mal à comprendre ce que je t'ai dit, je vais te couper ton corps avec ces couteaux. Ok, d'accord. Désolé. Frérot, n'est-ce pas que j'étais censée aller à l'aéroport avec toi? Tu sais pourquoi je t'ai amené ici? C'est pour que les choses soient claires. Oui. Et tu as été payé pour amener ces petits colis au palais. Bien sûr. Oh, tu mens. Il y a changement du plan. Changement de plan? Comment? Je ne suis pas là pour blaguer avec toi. Je ne vais plus te voir encore. Et tel que présentement, là, tu vas rejoindre tes ancêtres. Toi, frérot, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Pardon, je te prie. Ça, non, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Pourquoi tu me supplies? Ah.
Icheke. Je vous écoute. Dans cette salle, hier, je vous ai posé une question simple. Et vous m'avez ici donné une réponse simple, honnête et claire. Maintenant, je te demande. Et si je retirais seulement les 100 000 naira que je te donne chaque fin du mois, les gens découvriront alors que tu as un cas très compliqué avec ton cœur. Et tu m'as répondu honnêtement que tu mourras simplement de faim. C'est ce que tu m'as dit. Et là, c'était une réponse honnête. Parce que tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de famille. Tu n'as aucun bien que tu peux vendre et faire un bon revenu. Tu vas simplement mourir au liqueur. Mais je ne veux pas te le retirer comme j'ai dit plus tôt. Ce que tu as fait, tu as pris Ichie Ikechi en dehors de la réunion du conseil et tu l'as convaincu à faire exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu as dit quoi? Ichieke, Ichiekechi, vous deux avez conspiré pour dire ces genres de choses. Chuku, ton fils Nick est en train de porter un enfant. Car de la mère de la jeune fille sur le campus. Suis-je correct? Chief, et sache vraiment qu'il t'a menti. Ces choses ne sont pas vraies et réelles. Que ses collègues de chambre du campus l'ont tué dans leur chambre et puis ont renversé le problème sur lui. Car la fille avait refusé d'être soumise à leurs ordres. Non, pas du tout. J'ai même aussi oublié que si la police a tué ces garçons, c'est parce qu'ils ont failli tuer cette fille dans cette forêt. Ichiro, la famille de la fille et la police pensent que ton fils est en train de mentir pour sauver sa peau. Mais chef, tu connais très bien où je vis. Demande au commissaire d'ordonner à ses officiers de me faire un rapport afin que je sois incarcéré. C'est clair? Oh, Dieu merci, tu te rappelles. Oh, Dieu merci, tu te rappelles. Il suffit que je me présente à la cour. La police s'est présentée pour témoigner. Ichie Kourou. Et si j'arrive à t'aider, toi et ton fils, afin que la police change leur déclaration contre ton fils. Dis-le-moi, le juge Njoki, qui est mon ami, sera à la cour pour condamner ton fils à mort. Pas seulement lui, mais le gouverneur, qui m'écoute très bien et qui doit condamner aussi ton fils. Il fera que ton fils soit immédiatement exécuté. Non, non, non. Chef, ne faites pas ça. C'est mon unique fils. Il est innocent. Et si vous les prenez vraiment, alors je suis fini. Je suis fini. Je jure que je ferai tout ce que vous me demanderez. Et simplement pour mon fils. Et si seulement cet arrangement finirait par mettre un point à ce dossier. Tu feras tout ce que je te demande. Je jure sur ma vie, je ferai n'importe quoi pour vous. Ce n'est pas une blague, j'espère. Et s'il vous plaît, chef, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, s'il vous plaît? Ce n'est rien de grave. Rien de grave.
Je veux juste que tu votes en faveur de ce cas qu'on appelle Maze. Afin que le prince choisisse la femme comme il veut et quand il veut, même où il veut. Et c'est tout. Juste ça. Mais c'est tout. Alors c'est oui. Et qu'est-ce qui est plus important que c'est que vous cherchez à m'innocenter? Hein? Est-ce que tu veux changer d'avis? Oh, pardon, chef. Pardon. Je vous supplie. Ichi Ikechi. Ah, chef Ronka. Et si j'insistais pour un test ADN qui exposera à tout le monde que le premier fils de ta première fille est ton fils biologique? Tu es choqué? Je sais, Chief Onka a avec lui une telle information. Oubumba, mais s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, hein, s'il te plaît. Nous sommes quand même des amis, hein, s'il te plaît, au nom de notre amitié, ne me fais pas ça, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, s'il te plaît, hey, s'il te plaît, s'il te plaît. Dek! Au-delà de tout ça, je peux vous payer 2 millions à chacun ici pour votre vote que je vous ai demandé de faire. IJ, plus que ça viendra si vous faites ce qu'il faut. Il y a une histoire à propos de moi que je n'ai pas encore dévoilée depuis que je suis ici avec vous. Quand j'étais rentré, retrouver ma place ici à Afibo, juste avant à y rejoindre ses ancêtres en 1988. Je ne pouvais pas certainement me lever comme tout homme à chaque soir ou chaque matin se met en érection. Et quand il a fallu prendre soin de mon papa, comme j'avais dit à tout le monde là-bas, j'étais dérangé. Et mes frères à qui je pouvais faire confiance m'ont vraiment mis de côté et m'ont accusé de... Il l'a fait parce qu'il m'avait surpris sur un lit avec une de ses filles. Quant à lui, je ne pouvais jamais être pardonné d'avoir des relations sexuelles avec Roselyn qui venait à peine d'entrer à l'université. Hein? C'était un péché qu'il ne pouvait pas pardonner. Après l'avoir appris, et il avait envoyé quelques gens qui m'avaient traité d'un voleur à main armée. Et quand ils sont venus m'arrêter, dans cette procédure, ils m'ont injecté une substance qui a fait que je sois buté à ce problème que je n'entre plus en érection depuis ce jour. Ça, c'est la raison pour laquelle le défunt que j'avais épousé juste après m'ont quitté juste après le mariage. Je voyais le monde devant moi pouvoir s'écrouler. Et je voulais payer un pasteur ou un féticheur. Juste parce que je voulais trouver gain de cause. Que la source de ce problème n'était pas vraiment cela jusqu'au jour me réveillant quand les dieux se sont décidés de me les révéler. Et voilà que j'ai quand même trouvé gain de cause. Chine. Oui, papa. Let's go.
Ichi Ekechi, Ichi Ogu, voici ma fille biologique. Je vous salue. Ta fille biologique? Comment? Tu viens de dire que tu es impuissant, n'est-ce pas? Oui. Tout ça, c'était avant que cela ne lui soit pris. Jusqu'à ce que lui obtienne un enfant. Elle n'est pas seulement revenue à toi, Ichi Ekeko, mais les dieux l'ont ramenée à la maison. Les dieux ont vu en elle leur servante, qu'ils ont gardée pour un temps précis. Bienvenue chez toi, fille vertueuse de Afibo. Merci, monsieur. Je t'en prie. Omumba, il sait un peu trop sur nous. Comment il peut te décevoir avec tout ce que tu as pu lui donner là? Alors, est-ce que son secret restera en sécurité? C'est ça le problème. Ce qu'il pense avoir avec sa fille là, c'est la chose même qui va le tuer, même s'il protège. Regardez-le. Un bulldog qui est castré, qui n'avait aucune famille avant aujourd'hui. Ce n'est qu'un chien enragé, mais qui ne peut même plus mordre. Alors, dites-moi un peu. Non, dites-moi. Alors, dites-moi un peu comment en finir avec lui sans un... Vous êtes un chef politicien. Voyez Chief Ieke, ainsi que sa fille, comme les pires des ennemis. Alors faites-les une fois pour toutes. Oui, soit par disparition, un accident arrangé, ou même l'empoisonnement. Peu importe la manière, il faut juste savoir comment le faire. Il faut chercher à le faire vraiment, très rapidement. Écoute, mon secret qu'il a quand même pu connaître à partir de toi, s'il expose, moi, je t'exposerai aussi au roi et je me suicide. Qu'est-ce que tu as dit là? Tu m'as très bien entendu. Et aussi si sa majesté s'est fait de toi son ennemi et que cela arrive à être découvert, il deviendra fou directement. Alors sauve mon fils et je sauverai ta vie. Comment osez-vous? Comment osez-vous tous les deux, dites-moi? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Comment? Laisse-les tranquilles. Laisse-les. Laisse-les tranquilles. Et regarde. Laisse-les. Parce que tu as un très grand problème avec moi, laisse-les. Même si je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais sache qu'ils vont vraiment te clouer. Comment oses-tu? Comment oses-tu, toi, un chien castré? Comment oses-tu me trahir? Okuimba, si seulement tu cherches à influencer les membres du conseil, de voter contre ton souhait, aujourd'hui, comme je l'ai fait, un traître. Et qu'est-ce que tu appelles le plan sacré que tu prépares contre les Igwe? Et avant tout... Ichi, Ike, je suis désolé de t'avoir parlé de cette manière. En fait, félicitations. Félicitations pour ta fille qui vient juste de revenir. S'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi, laisse-moi t'expliquer de quoi il s'agit. Okumba, ce n'est qu'un fou qui embrasse un scorpion et espère de ne pas être mordu. Je ne suis pas ce genre de fou. Non. Pas maintenant où j'ai un très grand manager dans l'un des très grands réseaux dans mon pays qui est ma fille. Je suis ici possédant l'argent avec lequel tu m'as corrompu. Je suis venu te les restituer. Je ne suis pas venu ici pour écouter aucune explication, aucune chose venant de toi. Ichi Eke. Laisse-moi te rappeler. Tout ce que tu es en train de planifier ne bénéficiera pas de mon soutien, à moins que ce soit pour le bien-être du royaume. Arrête ça. Sinon, je dirai à sa majesté tout ce que tu as préparé contre le royaume. Je lui dirai tout, incluant vos secrets. Ichi Ekechi, Ichi Oku. Non. Ichi. Si vous voulez que mes lèvres restent collées, alors arrêtez, Ichi Onka. Arrêtez ça. Très simple que ça. N'est-ce pas? Au revoir. Ichi. Ichi. Ah.
Racontez-moi. Chief Onka, la condition pour mon silence est la même que celle de Ichie et Kiese. De même que moi. But whatever will be, we shall it be. It is called destiny. Tu es foutu! Comment tu n'as pas respecté mes ordres? Est-ce que c'est normal? C'est elle qui a été choisie. Qui? Kanshilapidja. Le prince l'a déjà invité. Et ses rendez-vous se passent ici au palais. Ils deviendront mari et femme si tu ne les arrêtes pas. Arrête-les maintenant. En fait, tu l'as. Les dieux qui l'ont couronnée comme future reine des Afibo. En fait que quiconque touchera spirituellement à sa vie, on dû la protéger de toute attaque, tout le monde qui la touchera sexuellement sera mort, immédiatement par les dieux. Mais de quoi parles-tu comme ça, Yon Onoko? Pourtant, c'est toi qui m'as assuré, il y a seulement 3 jours, que j'allais réussir. C'est toi. Tu m'as même donné l'information avec laquelle j'ai fait du chantage à Ike Ichike. Comment peux-tu permettre que les choses tombent à l'eau comme ça? Devant moi, jusqu'au point où... Les 3 personnes avec qui tu t'es réuni pour atteindre ton objectif ont décliné. Chose qui va t'exposer si tu n'arrêtes pas cette procédure. Alors, tu sais tout ça. Tu sais tout ça, mais tu n'as toujours pas... Il y a 23 ans que tu bénéficies de mes services. Pour une fois, j'étais interdit de garder tout ce que j'ai fait pour toi secret. Et vouloir que mon grand pouvoir travaille pour toi. Et pourquoi tu m'as gardé tous ces détails? Au fait, je ne comprends pas très bien. C'est vrai? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tes vraies intentions dans tout ceci? Et que tu voulais que ta fille devienne la prochaine reine de ce royaume? Afin de prendre possession du trône, ainsi que la vaste richesse de la famille royale. Désolé Onoko, désolé de n'avoir pas dit cela. Au-delà de toute chose, c'est seulement le trône que je veux vraiment. Mon fils a échoué à vouloir faire cela. Et avec sa maladie, ça m'a laissé dévasté. Onoko, s'il te plaît. S'il te plaît, sauve-moi de cette honte et de ces désastres. Ta fille ne deviendra plus la femme de Marvin, quoi que tu y fasses. Stelle est ta punition. D'avoir gardé ce secret à moi. Tel a déclaré le maître de la pluie. Ça, ce n'est pas accepté ici de notre royaume. Au fait, c'est que moi je veux. Tu pourras devenir ainsi le roi et prendre possession de toute la richesse. Oui, tu le peux, mais ça te coûtera quelque chose de très cher. Quelque chose qui m'est très cher? Qu'est-ce que cela peut être? Et Jensinta. Non! Jamais! Jamais! D'ailleurs, je m'en vais d'ici. La voix de ceux qui se détournent du dieu de la pluie a toujours été obscure chez Foluka. Je m'en fous. Je m'en fous, tu m'entends, Onoko. Il peut faire le pire. Laisse-le faire tout ce qu'ils veulent. Jamais! Jamais, jamais, jamais avec ma fille. Malheureusement, chef, tu ne pourras plus jamais voir Jensinta. Oui, le maître de pluie. Ont déjà pris son âme. Donc, partir maintenant ou pas, elle mourra. Comment oses-tu? Garde silence ou tu mourras maintenant. Assieds-toi. Assieds-toi. Ok. Onoko, tu peux quand même pas me faire ça. Tu es en train de perdre ton temps, Chief Aluka. Quand tu reviendras des États-Unis dans 6 mois, couche avec elle et étrangle-la. Ou tu mourras quelque temps après cela. Vas-tu le faire? Mais Onoko, vous ne me laissez avec aucun autre choix.
Maintenant, dis-moi, comment vais-je encore atteindre mon objectif? Karashika Pidja. Il fera route avec moi pour séduire les dieux d'Afibo et t'aider à accéder au trône de ce royaume. Hari ne résistance, Malé. Laisse-moi. Kashina, laisse-moi ne résister. Kashina Puja. Oui. Oui. Riales. Hari ne résistance, Malé. Laisse-moi. Laisse-moi. N'aie pas peur, c'est moi. À partir d'aujourd'hui, je porterai ce corps à chaque fois que je voudrais me représenter comme les dieux. Maintenant, va à la maison, prépare-toi afin d'accéder au trône. La seule chose qui peut t'empêcher à devenir le Igwe de Afibo, c'est si seulement je ne mettrai pas mes yeux sur tout le monde Afibo. Je vais bientôt prendre part au sanctuaire de Afibo. Maintenant, va à la maison. Prends soin de toi comme toujours. Le mal est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Majesté, Ichike a été tué par sa propre fille. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une oppression outrageuse que tu infliges à cette fille. Qui t'a dit qu'elle l'a tuée? Mon prince. Je l'ai trouvée sur son corps. S'il vous plaît, tout le monde, écoutez-moi. Écoutez ce qu'on vient de m'apprendre. Oui, merci. Merci, je vais confesser. Oui, je vais confesser. Oui, oui. Et la médecin, la personne qui avait fait ça, et c'était exactement moi. J'avais comploté avec le médecin pour faire cela. Les médecins avaient dit que la seule façon pour moi d'entrer en érection, je devrais certainement trouver des moyens de coucher avec toi ou t'amener à avoir du sexe avec moi. Oui, c'était vraiment ça. Et il avait aussi ajouté que quand je poserai mes yeux sur ta nudité, mon corps se levera et commencera à fonctionner normalement. Ou je resterai toujours sans érection tout le reste de ma vie. La seule façon de vous remettre vers moi était de tuer votre maman. Parce que j'avais désespérément besoin d'un fils qui va garder ma lignée en vie. Car tout était chamboulé. Maintenant, parlant de la fille, c'est un démon. C'est vraiment un démon. C'est ce même démon qui est venu vers moi avec de l'alcool. Après tout ce que tu as fait à ma maman, merci. Essaye de t'apaiser, mais mon comment fils. Comment cela a pu se passer, papa? Telle est vraiment la question. Nous avons une grande cérémonie que nous devons organiser. Papa, Cette fille a déclenché quelque chose en moi. Il y a quelque chose qu'elle a fait en moi. J'avais vu ça. J'avais vu toutes ces choses, mon frère. J'avais vu ça. Mais mon cœur était vraiment affecté du fait que si j'avais un mot à dire à ce mariage, vraiment... Mais de toutes les façons, c'est une meurtrière. Papa, tu sais de dire que nous devons lancer une investigation pour savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, après la cérémonie que nous avons eue. La police va mener cette investigation. Les dieux mèneront leur investigation aussi. Jusqu'à ce que autre chose soit prouvée. Elle n'existera plus pour toi et moi plus jamais. Non, papa, tu ne Tu es pas... un esprit royal. Tu es le futur roi. Tu dois apprendre à garder tes émotions, spécialement avec le nom royal. Ne l'oublie jamais.
J'ai un peu perdu la tête sur ce point. Mais il y a beaucoup de choses que je n'adopte pas. Comment est-ce encore que... Je t'ai demandé de laisser la police et les dieux mener leurs investigations jusqu'à résoudre ce problème. C'est un crime et une abomination. Et maintenant, nous devons procéder à ton installation comme le futur roi. Onohou, laissez-moi. Tu as dit que Igwe t'a envoyé ici pour demander quoi faire par rapport au développement durable. Oui, laissez-moi. Laissez-moi. Dis à Igwe et à Ichie de renvoyer les filles qui sont nominées chez elles à la maison. Cette procédure a été annulée par les dieux. Oui, ces filles ont dès maintenant jusqu'à quelques heures de rentrer chez eux. Comme ça, le prince va se choisir sa propre femme comme il le désire. Les dieux sont sages. Pars, Ono. Ok, je veux que tu me donnes une certaine expression sur ton visage. Et l'air d'une personne qui n'a que quelques jours à vivre. Le niveau d'émotion que tu vas montrer aux gens qui sont dehors va déterminer si ceci réussira ou pas. Ça va, messieurs? Êtes-vous prêts? Action! Attendez un peu, allez! Mes chers frères et sœurs, je suis en train de mourir. Le docteur a dit mes reins sont vraiment endommagés. À moins que je subisse une transplantation rénale en urgence. Faute de quoi, je vais mourir pour les complications. J'ai dépensé beaucoup d'argent afin de subir la dialyse chaque semaine. Et ma famille est vraiment brisée. J'ai besoin de 2 millions de naira pour aller en Inde afin de subir une transplantation rénale. Je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, aidez-moi avec de l'argent, mes frères. Sauvez-moi, s'il vous plaît, pour l'amour des dieux. Très bien. Coupez. Coupez? Mais il n'a pas fini. Il n'a même pas dit son nom et le numéro de compte auquel les gens vont envoyer de l'argent. On ajoutera cela avec d'autres bases supplémentaires et des graphiques dans les studios. Nous avons déjà eu tout ce dont nous avions besoin. Le reste, c'est à vous de... Ok, c'est bon. Je propose qu'on en discute dehors. Comme vous pouvez le constater maintenant, les infirmières sont là pour commencer les traitements. Puisque ceci doit être éradiqué. Urgemment. Allez, papa, arrête. Arrête de pleurer, ça va aller, ok? Ça va aller. Pourquoi pleures-tu? Moi, je serais passé à la télé. Passé à la télé pour demander l'argent comme un pauvre démuni. Un grand millionnaire, il n'y a pas plus d'une année. Dieu, pourquoi tu m'as rabaissé jusqu'à ce niveau de la honte? Chérie, c'est la vie. Ne complique pas ta condition. Dans le pleur et en étant pessimiste. Dieu sait pourquoi tout ceci nous arrive. Tel que je suis en train de souffrir, Dieu sait. Oui. Et crois-tu à ce jeune homme qui m'a nourri des espoirs ici? Que j'ai pu se vendre toutes mes parts dans cette entreprise. Ça aussi, tu ne le sais pas. Ok, mais est-ce que c'est important que tu me rappelles à chaque fois, Sissi? Pourquoi ne devrais-je pas, Rachel? Regarde-moi. Regarde ce que la honte m'a réduit. Regarde ce qu'un garçon suffisamment jeune pour être ton fils
à qui nous avons certainement ouvert nos portes. Regarde comment il m'a réduit. Regarde comment il m'a réduit. Bonté divine. Gay, viens-tu de dire papa? Toi et Cécile, qu'aviez-vous fait, maman? Ma chère, j'ai dû attraper ta maman et ses démons dans un hôtel en train de faire l'amour. Maman! Ces garçons m'avaient tenté. Ces garçons m'avaient séduit et il m'a mis sous son charme. Il t'a charmé. Je me sens ridicule à chaque fois que tu donnes cette excuse. Il t'a charmé dans un hôtel. Alors que dans cet hôtel, vous êtes vraiment des clients. Ça fait déjà 6 mois. Et tu l'as bien regardé en train de me frapper. Même quand j'ai crié en aide, tu as refusé. S'il te plaît, notre fille est là, t'entends, épargne-la. Laisse-la en dehors de tout ça. Je ne le ferai pas. Trop, c'est trop, Rachel. Dis à ta fille la vérité. Dis-lui que son papa est en train de mourir. Parce qu'il a été frappé sur ses deux reins. Comme elle le pense. Juste à cause du dommage qui m'a été causé. Alors que son père était frappé par ton partenaire. Quoi? Un petit garçon à qui tu as permis de prendre ce qui me revient de droit. Ma femme, mon honneur et toute ma richesse. Et bientôt, ma vie. Non, non, ne dis pas ça. Elle ne m'a pas ravie de toi. Je suis là pour toi. Pour toujours, je serai là. Tu ne mourras pas, s'il te plaît. Pardonne-moi. Oui. Oh, et tu t'es vraiment tenu à côté de cette chambre d'hôtel, en train de le regarder et frapper de mes deux côtés avec un très grand métal. De mes deux côtés. Quelle meilleure femme avais-tu joué ce jour, Rachel? Je suis désolée. Merci. Je suis désolée. Juste prie pour que rien ne puisse arriver à mon père, maman. Prie pour qu'un jour je puisse te pardonner pour ça. Juste prie. Papa, papa, attention, docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive à mon papa? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Non, Seigneur, je te prie, ne le permets papa, pas. Papa, qu'est-ce que tu as? Papa. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? S'il vous plaît, veuillez vous calmer, ok? Vous devez vous calmer. Il n'est pas mort, il est juste inconscient. Vous êtes sûr, docteur? Oui, j'en suis sûr. S'il vous plaît, pouvez-vous me voir dans mon bureau? Ok. Infirmière. Oui, docteur. Je t'en prie, prends soin de lui. D'accord. Êtes-vous sûr qu'il ira bien? Ce que le docteur vient à peine de dire doit te rappeler qu'il est temps pour toi d'être réaliste et de considérer cette condition en appelant M. John, son collègue, le manager de ce programme de télé dont je t'ai remis les numéros. Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui me dis ça, maman. Hein? Que j'essaie de reconsidérer quoi? Hein? Coucher avec 3 différents hommes juste pour obtenir de l'aide et puis passer à la télévision? Non. Oh. Ils me prendront pour qui? Nancy. Ils me prendront pour qui? Tu n'es plus vierge. Pas vrai? Maman. Il est vrai que je ne suis pas vierge. Maintenant. Mais je ne suis pas non plus une prostituée. Écoute-moi maintenant.
Tu vois cet homme qui est allongé sur ses lits d'hôpital dans l'état d'inconscience. Il n'est pas un homme ordinaire. C'est mon mari. Ton père. Cet homme nous a accompagnés pendant toute notre vie quand il était encore en position de force. Je l'aime. Et je l'aime aussi, maman. Et tu préfères rester ici voir comment il va rendre l'âme pendant qu'une seule chose, une chose simple, peut faire la différence entre la mort et la vie? Quel amour? De quel amour parles-tu? Comment est-ce que tu peux parler de l'amour que j'ai pour mon père? Simple chose. Je l'aime avec tout mon cœur, maman. S'il te plaît. Prouve-les. Prouve-les en faisant ce que ces gars nous ont demandé de faire. Pour sauver ton père qui est mourant. Allez, Nancy. En quoi t'es différent de ta sœur qui est au Royaume-Uni? Elle a été ajournée dans son institut. Dû à son incapacité de solder le frais demandé. À cause de ce qui est arrivé à ton père et à son business l'année dernière. Elle a écouté mes conseils et elle était d'accord de rester au Royaume-Uni. Plutôt que de venir nous rejoindre dans cette vie misérable comme dans un lac de feu. Hein? Cet homme, il y a 9 mois passés, qui a pris soin de toi et qui répondait à tous tes besoins. Maintenant qu'il est en position de faiblesse, tu es incapable de le remettre à l'ascenseur. Tu penses que ta sœur à Londres pour remédier à sa situation, elle a fait quoi? La même chose que toi qui es ici devant moi, refuse de faire pour sauver ton propre père. Seigneur Jésus, donc tu as fait en sorte que Tina devienne une prostituée là-bas au Royaume-Uni? Et tu es en train de me le dire tout bonnement, maman? T'es encore une gamine. Nancy! Cette famille n'a plus rien d'important. Au fait, nous sommes désespérés. Nous sommes en train de mourir à petit feu. Le seul moyen pour nous de nous remettre serait d'exploiter ce pétrole qui a été découvert en quantité commerciale dans notre terrain. Écoute, laisse-moi te dire une chose. La famille et la compagnie sont en discussion sur ces sujets pour un partage équitable. Et si déjà tu as oublié, laisse-moi te rappeler, Angèle. Une femme n'hérite pas une propriété ou un bien, c'est notre tradition et coutume. Si ton père meurt avant que cet argent ne soit déboursé, toi et ta sœur, vous n'aurez même pas un franc dans cette somme de 10 millions de naira de la part de votre père qui sera donné à votre oncle puisque votre père n'a pas mis au monde un garçon. Donc, en plus de la vie de votre père, je suis désespérément en train de poursuivre cette somme importante d'argent. Je ferai tout à mon pouvoir. Je pèserai de tout mon poids et me rassurer que cet argent nous revienne. Alors, tu dois le faire. En fait, tu le feras. Sinon, tu n'auras pas un autre choix que de te considérer comme une jeune fille qui n'a pas de famille. Est-ce que par hasard tu essaies de me déshériter, maman? Non, si. Je te mettrai en dehors de ma maison. Maman? Oui. Ainsi, tu sais quoi? Fais l'essentiel si tu veux rester avec moi. Tu m'as bien compris. Maman, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire, hein? Maman! Allô, monsieur? Oui, monsieur, je suis juste... là où s'était passé le tournage la fois passée dans votre hôtel. 5 minutes? Ah, non, monsieur. Oh, s'il vous plaît, attendez, j'arrive. Ah! Vous êtes fait dans le monde.
Merci. Non, ça va, ça va. Merci, hey, merci bon, beaucoup, hein. Bon. Merci. Calmez-vous. Que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Pour les mettre en bon état. Nous allons quitter ici pour l'Inde très tôt demain. Déjà, le matin, nous allons partir. Vous allez faire ça? Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai déjà appelé quelqu'un qui est en train de gérer toute cette histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vraiment, je suis très reconnaissante. Que Dieu vous le rende. Au son type. Que Dieu vous bénisse. Ah. Comment ça, Madame Mustapha? Je suis un roi et je n'aime pas les mensonges. Et le paiement a été réellement fait et je t'ai dit ce qui est vrai. Et je t'ai dit qu'il y a certainement 2 mois que mon fils, ce prince Marvin, a vraiment pris en charge toutes ses affaires. Il a fini toute sa formation à Harvard dans une grande université. Dans la filière de l'administration des affaires. La bonne chose, c'est qu'avec toutes les études qu'il a dû faire, il est tout à fait normal pour moi de croire en ses actions. Voir ce que nous sommes en train de faire maintenant, il les connaît et les maîtrise. Et s'il m'appelle maintenant pour me dire qu'il est en route vers la banque pour faire le virement, j'ai 1000 et 1 raisons de lui croire. Ah, calmez-vous, Madame Mustapha. Mon royaume n'est pas si loin de la cité, c'est quelque part là dans 15 minutes. C'est vraiment proche de vous, Madame. Il va venir et dès qu'il sera là, je vais certainement vous faire signe. Oh, il est déjà là, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous revenir. Papa, c'est Mustapha, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le numéro dans lequel tu as déposé l'argent a disparu quelques moments après. Voilà pourquoi il trouve que c'est un mensonge. Ainsi, ça a emboîté la transaction. Tu as mis l'argent, n'est-ce pas? Je crois que tu l'avais fait. Oui, oui, bien sûr. Et aussi, j'avais dû te remettre 20 millions de naira pour que tu mettes dans le compte de la compagnie. En fait, le 25 millions de naira que tu as payé à Madame Mustapha avait été rangé pour toi, cash, par le département de comptabilité. Et si je m'arroge les droits de poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a le dépôt de 20 000 naira? Tu parais inconfortable. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je suis vraiment désolé. J'étais un peu pressé. En fait, je suis venu ici pour te signaler que j'ai fait le paiement. Oh, vraiment, mon fils? Tu ne peux pas te déranger comme ça. Va utiliser les toilettes, quand même. Merci. Papa? Oh! Désolée, maman. Oh, il n'y a pas de problème, ma chérie. Ça va. Papa, tu vas bien? Chérie, qu'est-ce que c'est? Oh, non, 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 non. Nous venons fraîchement de l'Inde. Et l'intervention s'est bien passée. Toi et nous, tous ici, sommes censés chanter des cantiques de joie. Hein? Oui, papa. Et non pleurer et ne pas non plus avoir cette attitude. Arrête. Oui, ma chère. Ce ne sont pas les larmes de tristesse, mais celles de joie. Ok. Voyant que je suis rentrée dans ma maison par mes propres pieds. Oh, mon Dieu. Viens, 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 mon prince, viens. Je ne sais pas comment te remercier. Merci beaucoup, mon prince. Papa. Fils. Oui, papa. Le cuisinier m'a informé que tu lui avais dit que nous allons manger au restaurant aujourd'hui. As-tu prévu quelque chose? Oh papa, je ne t'en ai pas parlé, désolé vraiment. J'ai eu un dîner spécial aujourd'hui avec ces gens, dans un endroit vraiment chic. Et nous avons parlé de la sécurité de la police qui va nous sécuriser pendant la venue. Oh vraiment? Oui papa. Et qu'est-ce qu'il en est donc? Et je vais profiter de l'occasion pour... Un instant papa. Salut chérie.
Où es-tu? Non, c'est faux. Dans le palais? Au salon? Mon Dieu! Cela veut dire que mon chauffeur a vraiment fait très vite. Ok, il n'y a pas de problème. Sens-toi à l'aise, moi et mon père descendons maintenant là en bas. Très bien. Elle est là. Et qui? Quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Nous avons dîné aujourd'hui, ce soir. Papa, descendons, je vais aller te présenter la personne. J'ai vraiment apprécié tout ceci. Je sais, papa. Je ne t'ai jamais vu aussi heureux et aussi vibrant que ce soir. Et merci d'avoir accepté Nancy. Tu as très bien fait les choses. Je suis fier de ton intelligence. Je t'avais dit... Regarde que tu as rendu les choses très faciles pour moi. Alors vraiment, ça, je voudrais me reposer. Très bien, papa. Je reviens. Fils, quand est-ce que tu vas me proposer? Papa, nous venons à peine de nous connaître. On ne s'est même pas connu il y a longtemps. 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, vous deux avez vraiment développé un contact, une attirance l'un vers l'autre. La seule prochaine étape, c'est le mariage. Tu suggères dans ces cas mon soutien pour la demander en mariage? Non, pas ça. Juste que... Voilà. Oui. Papa. Bonjour, votre majesté. Oui, bon après-midi. La bague qu'elle porte est à moi. On se marie. Fantastique. Splendide. C'est excellent. C'est superbe. Venez, s'il vous plaît, venez. Venez vous asseoir à mes côtés. Venez. Non, ah, ça c'est quelle joie! Que puis-je dire encore? Félicitations! Merci, votre majesté. Vous avez mon consentement. Mon accord. Merci, votre majesté. Mes bénédictions. Des milliers et de milliers. Oui, votre majesté. Vous ne savez pas combien tous deux vous m'avez rendu heureux présentement. Oui. Ah. Merci infiniment. Non. C'est plutôt moi qui dois vous remercier pour avoir pris en mariage une merveilleuse femme comme vous. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi. Mon fils. Génial. Hé, ma future belle-fille, viens. M'avait rendu fière. Maman, tu appelles vraiment au bon moment. Allô, maman? Ta fille est... Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Calme-toi et parle. Oui, maman, je rentre à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Maman! Putain. Qu'est-ce qui t'a su? Je ne sais pas. Elle a juste dit que notre monde est sur le point de s'écrouler. Oh mon Dieu. Oh Seigneur.
Calme-toi. Réponds. Sache que quoi que ce soit, ça ne sera pas aussi mal que ta maman te l'a fait savoir. Tu es un homme! Et le roi en devenir. Tu dois simuler tes émotions dans toutes circonstances. Garde ça en tête et va résoudre la situation. Oh, message. Bienvenue au palais. Votre dynastie est terminée, votre majesté. Qu'est-ce que cela signifie? Exactement ce que vous avez entendu, votre majesté. Ton fils est allé en Inde et a donné son rein à quelqu'un. Et cela a fait de lui un homme incomplet. Personne, en effet. Personne ne peut délivrer une partie de son corps et prétendre au trône d'Afibo, déclare les dieux. Et sans un de ses reins, votre fils, votre unique fils, est maintenant disqualifié du trône. Vous ne pouvez pas. Pas seulement ça, majesté. Les dieux ont ordonné de récupérer toutes vos richesses. Oui. Et lui concernant, tous les avantages qui lui sont assignés sont retirés. Car il a déshonoré la lignée royale. Je vous ai délivré les messages venant des dieux. Et maintenant, je vous quitte. Parlez-en à Onoka, Onohu et d'autres membres de votre conseil. À qui as-tu remis ton rein, Marvin? As-tu donné ton rein à quelqu'un? Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, papa. Que veux-tu dire? Tu es vraiment désolé. Tu es désolé. C'est tout ce que tu as à dire. Tu as détruit la dynastie que m'ont laissé mes parents. C'est tout ce que tu as à dire. Après avoir détruit la dynastie de mes parents et ramené cette honte. C'est cette honte sur moi. Marvin, tais-toi! Tu es vraiment désolé. Tu seras vraiment désolé. Oui. Tu seras vraiment désolé. Marvin, merci. Merci pour tout. Je peux te remercier. Merci, Marvin. Papa! Le trône est maintenant tien. Sa majesté vient de se suicider. Quoi? Quand est-ce que cela est arrivé, Onoko? Maintenant même. Maintenant même. Tu es le roi, comme je t'avais promis. Mais la part qui reste à accomplir est à toi de faire. Mais je ne comprends toujours rien, Onoko. Je ne comprends rien du tout. Tu ne seras jamais couronné roi jusqu'à ce que tu accompliras ta part avec Jacinta. Trouve un moyen de mettre la couronne sur ton esprit. Mais si le couronnement arrive avant cela, tu vas mourir après le couronnement. Jusqu'à ce que tu coucheras avec Jacinta et la tueras. Tu n'es pas permis de venir ici pour chercher une quelconque aide. Et si tu penses ou essayes de consulter quelqu'un spirituellement, tu deviendras fou immédiatement. Et prie que le prince Marvin ne se marie pas avant ton couronnement. Au cas contraire, sache que tout ce que nous avons fait, se réduira à néant. Et sache que tout ce que j'avais relaté au roi était du mensonge. Ça ne venait pas des dieux de Afibo. Et les dieux n'avaient jamais rien dit de pareil. Chérie, qu'est-ce qui se passe?
bon Dieu. Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais? Non, si mon père est parti. Je sais. Mon père s'est tiré déçu. Juste devant moi. Mon père, c'est la majesté royale. Il a fini par se suicider. Hey! À cause de moi. Oh mon Dieu! Attends. Hey. Attends un instant. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est à cause de toi? Hein? Nancy, parce que j'avais donné un de mes reins à ton père. Les dieux de notre terre m'ont déclaré comme un homme incomplet et inapte pour accéder au trône de mes pères. Quoi? C'est vraiment ça. Il a tout emporté. Tout ce que mon père avait a pris fin. Il a vraiment tout emporté. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par ils ont tout pris? Mon père ne pouvait pas tout prendre. Il s'est tué à cause de moi. Pourquoi tu les as permis de... Pourquoi tu les as permis de tout prendre, dis-moi? Non. Chérie, arrête. Hein? Je suis là. Non. Hein? Arrête, chérie. Non, ça va aller. Ok? Je suis là. Ça va aller, bébé. Je suis un homme vraiment chanceux. Ta présence dans ma vie a fait toute la différence quand j'ai perdu mon père et quand j'ai perdu tous les biens de ma famille. Savoir que tu es là et que tu es à moi, c'est ce qui m'a donné de la force pendant tout ce temps. Et c'est ce qui m'a aidé à tout traverser. C'est aussi la même chose pour moi. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, chérie. Et dernier instant dans ce... Comme les dieux l'ont accordé. Il est temps que tu partes. Donc, il est temps de partir. Mais le palais ne faisait pas partie de... Qu'est-ce que je viens de raconter? Qui est là? C'est nous, maman. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Dites-moi que l'information que vous m'avez donnée au téléphone n'est pas vraie. Sa Majesté. C'est la vérité, maman. Nancy. Je n'ai plus droit à cette appellation maintenant, maman. Je ne suis rien. Pour l'instant, je ne suis qu'un... Oh mon Dieu. Tu veux dire? Oui. L'avocat de l'entreprise a tout détourné. Mon père était sur le point de signer un contrat pour faire une transaction de tous ses biens vers le chef Onka. L'entreprise et tous ses biens, même le palais et toutes les voitures. Je l'ai vu moi-même. Même Nancy l'a vu. Tomunae. Oui, maman. Sa Majesté. Confirme que tu es devenu un homme sans foyer maintenant. Oui. Je suis maintenant un homme qui n'a même plus de village. Je suis maintenant un citoyen sans domicile. Oui, maman. Ils ont tout ravi à mon chéri. Il ne reste que les habits. Oui, seulement les habits. Les habits. Salut, maman. Maman, vous êtes là. Merci, comment vas-tu? Bien. Je vais bien. Merci beaucoup. Enfin, fini la tempête. Vraiment? J'ai eu le travail. Chérie!
Je suis maintenant manager de l'une des entreprises de biens immobiliers ici au pays. Oui, maman, c'est ça. Avec un salaire de 3,5 millions de naira. Attends une minute. Tu peux les dire maintenant bien. C'est combien par mois? 3,5 millions de naira par mois. Tamouna! Hey! Quand est-ce que tu vas commencer les boulots? Mm-hmm. Il faut que j'ai le résultat des examens médicaux que j'ai fait avec le médecin. C'est job est à toi! Oui, il est à moi! Amen! C'est job est à toi! Je suis très contente pour toi, merci. Chérie! Tu sais quoi, maman? Je t'aime encore plus. Vraiment, nous devons célébrer cela. Oui. Donne-moi un moment, je vais juste aller me préparer. Mm-hmm. Oui, bébé, vas-y. Dis-moi d'abord, est-ce que tu m'aimes comme tu dis? C'est parce que je t'aime. Que moi, je t'aime encore plus. C'est pas non, vrai. Ce n'est pas c'est ça. Moi qui t'aime moi, plus. C'est moi qui aime plus que toi. Tu sais la vérité. Oh, bébé, excuse-moi, s'il te plaît. Ah, c'est qui ça encore? Oui, madame. Oui, bonjour. Oh, bonjour, monsieur. C'est vous? Oui, monsieur. Vraiment? Oui, je suis là, aux environs. Oui, aux environs. Non, je suis libre. Je peux venir. Très bien, monsieur. Je me mets en route là, immédiatement. Merci, monsieur. Merci. Chérie? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'appel que j'attendais tous ces jours ici, ma chérie. C'est vrai? Oui, oh, mon Dieu! C'est le gestionnaire des ressources humaines de l'entreprise. Il me veut au bureau immédiatement. Oh je suis très contente pour toi, chérie. Oh, oh merci, vraiment. Mon Dieu, merci. Quoi? Mais qu'est-ce que tu attends? Quoi? Qu'est-ce que tu attends encore? Comment? Allez, fais vite, partons dans la chambre. Oui. Oui. Toi et moi? Oui, parce qu'à partir de maintenant, je vais commencer à m'occuper de l'accoutrement de mon chéri. Oui, je le prends pour mon boulot numéro 2. C'est le numéro 2 parce que ça vient après mon boulot du lit. On va voir combien tu penses. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que je suis la meilleure. Allez, on y va, fais vite. Mets-toi debout. Wow. Wow, 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 wow. Comment ils ont pu? Comment ont-ils pu finalement me refuser? Ce dont je suis vraiment très bien qualifié. Comment peuvent-ils changer toutes mes attentes que j'ai entendues très longtemps en un cauchemar comme ça? Pourquoi? Mon fils, calme-toi. S'il te plaît. Maman, tu me demandes de me calmer. Tu me demandes de me calmer. Comment? Maman, tu me demandes de me calmer. Tu me demandes vraiment de me calmer. Mais comment? Il ne me reste plus que 2 000 naira dans toute cette maison, hein, maman? Et je n'ai plus rien dans mon compte bancaire. Comment ferais-je pour prendre soin de nous ici? Dites-moi un peu. Oh mon Dieu. Mon Dieu, qu'ai-je fait de mal en donnant une partie de mon corps à une personne qui était sur le point de mourir? Comment? D'abord, c'était mon père. Maintenant, ça. Ça va aller, chérie. Je t'en prie, calme-toi. Je ne peux accepter cela. Oui, je ne peux pas. L'amour sans travail n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu peux dire? Mais qu'est-ce que tu peux faire? Penses-tu que tu peux faire quelque chose pour changer la situation? Je ne sais pas. Je dois m'élever pour les stopper. Je ne peux pas accepter tout ce qui nous arrive. La mort de ton père me fait sentir très mal, bien que je sache que je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Moi aussi, oh. Mais que pouvons-nous faire dans ces cas? Plaider pour lui, maman. Oui. Et c'est pour ça que je dois me rentrer là-bas tout de suite. Et tu penses que cela peut changer quelque chose? Peut-être. Il serait mieux, chérie, de faire quelque chose à la place de croiser le bras. Oui, oh, laisse-la faire. On ne sait jamais. Qu'elle sait sa chance. Laissez-moi vous passer, madame. Vous ne pouvez pas entrer ici, laissez-moi madame. Laissez-moi passer. Vous n'avez pas de rendez-vous. Arrête. Madame, s'il vous plaît, hein? Restez dehors. Laissez-moi passer, c'est quoi?
Terija? Ah, mon Dieu! Merci, Seigneur, merci. Hey, mais c'est depuis quand que tu étais revenu au pays? Ton entreprise? Merci, Jésus. Merci. C'est bon. Oui, c'est bien. C'est bien. D'accord. Oh, d'accord. D'accord, monsieur. Oui, d'accord. Merci beaucoup. J'ai apprécié. Merci. Je m'en vais maintenant. Ok. Chief, fais-moi confiance. Le seul regret que j'ai maintenant est... tu m'as dit de ne pas toucher au plan B. Sinon, tout serait déjà activé. Ce qui me préoccupe maintenant est de savoir comment on va passer au prochain acte. Mais t'inquiète, tu peux me faire confiance. Hein? Chief, tu peux me faire confiance. Je ferai exactement ce que tu m'as demandé de faire. Est-ce que tu as réussi? Ils m'ont jeté dehors comme une ordure. Ne me dis pas ça. Qui a fait ça? Je ne laisserai jamais personne faire ça, quelle que soit ma condition. Qui a fait ça et où est-il? Personne ne se bat avec un estomac vide et se dire qu'il va gagner. Je dirais que la bagarre n'est pas toujours visée comme tu penses. Tu es ma fiancée, mon amour. Et c'est mon rôle de défendre ta dignité en tout temps, ma chérie. Commence d'abord par me défendre contre la famine et la crise. Fais-le s'il te plaît, je serai ravie. Mais pourquoi tu parles comme ça? Tu sais que je fais de mon mieux pour que les choses... Très misérablement, ton mieux est misérablement inadéquat. C'est tout ce que tu avais à dire. S'il te plaît, épargne-moi de tous ces mélodrames. Prie de m'excuser. Bébé, écoute-moi, chérie. Ma mère m'a demandé de te dire que Dieu ne cessera pas de te bénir à cause de ta gentillesse. Elle te remercie pour l'argent que tu lui avais envoyé. Bien sûr, je ne peux pas lui cacher une telle chose. Nous sommes très proches depuis mon enfance. Soyons réalistes, est-ce que c'est toujours qu'une fille reçoit 1 million de dinars auprès de son homme? Au moment où j'étais par chérie, je me sens chanceuse de t'avoir. Je t'aime, bébé. Je sais que tu m'aimes. Écoute,
Maman, elle avait-tu causé avec elle? Ok. Maman. Terry. Allô, mon cher. Oui, je vais bien, et toi? Oh, mon Dieu ne cessera de te bénir. Amen. C'est une telle bénédiction pour ma fille. Oui. Comme et toujours. Les voici, mon bébé. Chut. Et... Maman est au téléphone. Un peu de respect. Laisse-moi te rappeler, s'il te plaît. Il y a une chose que je dois régler maintenant. Oui, c'est urgent. Bye. Mervyn. C'est bien la colère que je vois sur ton visage ou quelque chose d'autre. Mais tu criais quand j'étais au téléphone et ça dérangeait, bien évidemment. C'est un nouveau comportement décivilisé. Hein? Désolé, je voulais seulement... Ok, pas de problème. Pas besoin de faire ce long discours. Excuse acceptée. Merci pour ça, maman. La poisse, ou je ne sais comment l'appeler, l'a transformée en un véritable bavard. Ah, ah. Si seulement il pouvait savoir combien cela m'énerve. Je sais que ça va être le plus grand travail ou le meilleur salaire. Mais au moins, tout est mieux pour notre meilleure commission. Qu'est-ce que j'ai entendu dire? Notre... Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous en épargne. Je ne me suis jamais associée des gens qui ont la malchance toute ma vie. Que Dieu m'en préserve si ça doit commencer aujourd'hui. Nancy, qu'en est-il de toi? Maman, je ne suis pas d'humeur pour en parler. Il a trouvé un boulot. C'est bien pour lui. Nancy, tu peux quand même pas me parler comme ça. Est-ce qu'il ne va pas faire ça? Oh, désolée, chérie. Je suis vraiment désolée. Oh. Félicitations, chérie. Veux-tu quelque chose d'autre? Hein? Nancy. Bébé, tu sais quoi, s'il te plaît, va à l'intérieur, va te laver et ensuite nous allons causer. Ok, allez, vas-y bébé, on y va. Je te rejoindrai plus tard, allez, va te laver, entre à la maison. Ok, comme ça chérie, bye. Très bien, bien joué. Hey, boucle d'oreille. Hey. Maman, je te dis. Heureusement, imagine. Nancy. Je n'arrive pas à trouver ma valise dans la chambre. Encore mes affaires. Où sont-elles? Dans la chambre d'invité. Chambre d'invité. Comment peux-tu aller mettre mes affaires dans la chambre d'invité? Excuse-moi, Mervyn. Mervyn, la dernière fois que j'ai vérifié, Nancy ici est célibataire. Elle n'est pas mariée. Et toi, tu n'es qu'un simple convive de ma maison et pas autre chose. Est-ce que ça a changé? Mais de quoi parles-tu? Et où elle t'a posé une question? Vas-y, réponds. Parce que, en ce que je sache, je suis célibataire. C'est pas vrai? Tu étais dans la décharge ou quoi? Ah. Ça, c'est une fois exactement. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu revenais du boulot la semaine passée, je ne faisais que me demander s'il n'y avait pas de flair qui sentait bon là-bas. Est-ce que tu ne t'occupes que de la merde? Seigneur, tu sens vraiment comme un homme suspect. Je t'en prie, va te doucher pour l'amour du ciel. Ah. When it was bad for you, I was a best friend. When it was good for us, you were a best friend. Mmh. Moi? Non, la femme. Nancy, comment tu vas et qu'est-ce que tu fais avec cet homme? S'il vous plaît, est-ce que je vous connais? Dieu de miséricorde, est-ce que tu me connais?
Oui, est-ce que je vous connais? Mon ami, ton fiancé. Ce n'est pas avec moi que tu vis dans la même maison. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? C'est plutôt à moi de vous demander si vous êtes normal, monsieur. Il est vrai que vous avez cité mon nom et je me demande comment vous le savez. Je ne suis fiancée à aucun homme et je n'ai pas aussi une sœur jumelle. Chérie, tu sais quoi? Partons d'ici. Cet homme doit sûrement être ivre ou soit il a des problèmes sérieux avec sa tête. Comment ose? Hein? Hé, hey, c'est quoi ton problème? Va-t'en, va-t'en. Aïe, aïe, aïe. Prêt pour la mission. Tu vois toutes ces choses? Vous devez les lancer et les plonger au milieu de la rivière. Où on ne saura les voir. Soit encore tu peux le vendre et garder l'argent. Maman. Dieu merci, tu es là, maman. Suis-moi de voler le travail, s'il te plaît. Allez, va-t'en, on va te faire foutre. C'est lui le propriétaire de ces choses. Peu importe où tu vas les jeter, jette-les ensemble avec ses bagages. Ou encore, si tu tiens à le vendre, tu peux chercher des gens qui achètent des esclaves et les solder avec ses bagages. Soit tu peux les livrer au kidnappeur. Maman, es-tu vraiment... Exécution, qu'est-ce que vous attendez? Viens là, entre là-bas. Faites-les disparaître de devant moi. Imbécile que tu es. It was a mission impossible, but love made it possible, cause I love you. Now it is bad for me, you didn't care, but it was bad for you, I was there. Somebody please wake me up, I'm out. C'est vrai? Et qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? J'ai vu avec un autre homme. Et puis quand je le trouve avec cet homme, il est fugitif d'Arsis. Quoi? Tu es allé enquêter sur Terry? Maman, peux-tu imaginer? Mervyn, ou peu importe comment on t'appelle, est-ce que tu as besoin que je te rappelle tout ce que tu feras pour essayer d'arrêter sa relation avec Nancy? Ou peu importe ce que tu as déjà fait jusqu'ici, je te ferai disparaître sur la surface de la terre. Si cela est mon cœur, si cela est en train de me faire tout ce que je voulais. Melvin, cet endroit pue comme si on a ouvert la tombe d'une personne. S'il te plaît, dis-nous la raison pour laquelle tu nous as invités. Si pour qu'on parte, nous risquons d'être infectés par une quelconque maladie. Tu sens que c'est horrible par ici. Tu es irrité, n'est-ce pas? C'est exactement pour ça que j'ai insisté que toutes les deux me suiviez ici dans cet endroit. Nancy. Maman. 4 jours après que tu m'aies fait licencier de mon travail, sans même avoir eu mon salaire, et tu m'as également chassé de ta maison. Tu m'as appelé dans un endroit secret pour te rencontrer. Je suis venu. Pensant que tu voulais t'excuser et faire des arrangements. Pourtant, tu voulais juste me demander de donner mon prix pour que je disparaisse et que je te laisse avec cet homme Thierry. J'ai insisté que toutes les deux me suiviez jusqu'ici avant de donner ma réponse à cela. Et ma réponse est sous forme d'une question. Dis-moi combien coûtait la vie de ton père que j'ai sauvé, au moins temporairement. Combien coûtait mon rein que j'ai donné pour le sauver? Combien coûtait l'empire du business de mon père? Et la somme que j'ai donnée pour sauver la vie de ton père? Combien coûtait la vie de mon père que j'ai perdu en conséquence? Combien coûtait la fierté de ta famille que j'ai sauvée en finançant les funérailles de ton père? Combien coûte le vrai amour? Le vrai amour que j'avais pour toi? Combien coûte tous ces sacrifices que je fais pour toi? Et ta mère ici, écoute-moi, si tu peux quantifier tout cela financièrement, alors j'accepterai l'argent. Autrement, pas de marché. Et en passant, je vous ai amené ici pour dire ceci. Parce que c'est dans cet endroit que moi, Marvin,
le prince et le fils unique d'un roi multimilliardaire que j'appelle chez moi à cause de vous. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Essaie de te ressaisir, ok? Hein? As-tu fini de parler? Melvin, ou peu importe comment on t'appelle, reste loin de ma famille. Reste loin de nous! Sinon, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Écoute-moi, laisse-moi te dire. Va dans la rue, renseigne-toi sur moi. Je suis un vipère, le plus dangereux que tu ne peux avoir idée. N'importe quoi, je ne te blâme pas. Insensé, sortons de cet endroit. S'il te plaît, on y va. Nancy! Moi aussi, je t'aime. Nancy! Nancy! Prends soin de toi, ok? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu. Partons vite d'ici, imbécile. Je n'importe quoi. When it was good for me, it was the best thing. Je veux juste être avec toi. Et vivre avec toi pour le reste de ma vie. Tu sais que je t'aime aussi, chérie. Alors, tu m'acceptes, hein? Oui, bébé. Oui, je t'aime. Tu le sais bien. Maman, j'avais failli m'évanouir. Heureusement qu'un homme avait débarqué de nulle part et il a dit qu'elle était psychiatre. Il nous a dit que Melvin était son patient. Il a dit que Melvin avait un problème mental qui faisait en sorte qu'il puisse s'attacher à toute fille qui l'intéresse et inventer des histoires. Et à chaque fois que cela arrive, il cause avec la fille comme s'il la connaissait depuis longtemps. Il a demandé à Terry de ne pas s'inquiéter. Melvin a un problème avec la tête et je ne suis que sa victime. Melvin essayait de les nier, mais ces gars a fait appel à deux hommes et sont venus l'arrêter. Et dis-moi ce qui est arrivé par la suite, le plus doux à entendre sur la demande de mariage. Oui, il l'a fait. C'est juste que je n'étais plus d'humeur tout le reste de la soirée. C'est ça là, non, maman? Wow. Est-ce que c'est joli? C'est absolument mignonne. Merci. Comme c'est merci, beau. Merci, maman. Félicitations, ma chérie. Merci, maman. Oh, salut. Je continue à me demander, maman, c'était cet homme qui était venu me sauver la vie. Et comment est-ce qu'il a su venir au bon moment? Était-il un ange? C'est ça. Ça marche également pour ta chère mère. Maman, es-tu choquée? Oui, lui-même et ses garçons, tout ce qui a été planifié et fait, il le faisait par mon ordre. C'est moi la mettais en scène. Maman, Nancy, tu as une mettais en scène et une exécutrice de ta mère. As-tu déjà oublié? Je ne saurais te remercier assez, maman. Ne me remercie pas encore. Il y a encore du boulot à faire. Quel boulot, maman? Mettre fin à la vie de Melvin, une fois pour toutes. Arrêtez! Arrêtez, je vous en prie! Arrêtez! Maman, c'est quelque chose! Maman, regarde ce qu'il faut! Tranquille-toi! Oui, maman, chérie! Oh, allez, rentre ici! Non, si! Arrête, regarde ce qu'il faut! Et je vais te dire! Allez, reviens ici! Reviens! Son temps est arrivé à la fin! Finis pour lui! Dieu va vous punir! Chérie! Ah, non.
Oh mon Dieu. Bébé. Bébé. Comme l'a annoncé. Bien, je crois que ma mission est accomplie maintenant. Je ne veux plus que cet idiot se mêle encore des affaires de ma fille. Ce que vous devez faire, c'est de les jeter dans une rivière où on ne saura retracer les circonstances de sa mort. Au cas où la police faisait des investigations, qu'il n'y ait rien comme élément ou évidence. Jetez-les dans la forêt ou soit dans une rivière. Vous m'avez bien compris, j'espère. Très bien, madame. Oui, maman, mon chaussure sera les lunettes. Allez, arrête. Tu vois cette chaussure que tu veux t'acheter. Hein? C'est ce que je veux pour moi aussi. N'est-ce pas que ça va m'aller? Nancy, hein? Tu veux... Maman, est-ce que tu sauras marcher avec ça d'ailleurs? Bien sûr que ça va m'aller. Maman, hein? Est-ce que tu sauras réellement porter les hauts talons? T'inquiète, je peux le mettre, le wesh, Nancy. Ces gens ont du fric. S'il te plaît, mets ça sur la liste. Maman, mets-le avec tous les accessoires qui vont avec. S'il te plaît. Maman, c'est pas grave, je vais l'écrire, mais si en fin de compte tu ne parviens pas à le porter, je ne te pas. Je te prouverai le contraire. C'est tu pas me grave. Verras le porter. Je l'écris. Oh, mets-les. Maman, mon mariage sera magnifique. Ce sera tellement grand au point où tout le monde dans cette ville va en parler. C'est exactement ça, ma fille. C'est ça même la raison pour laquelle je vais être sur mon 31. Oh mon Dieu, maman. Ah oui, je l'ai écrit. Je dois aussi ajouter des accessoires de maquillage. Oui. Maman. Je suis venu implorer ton pardon pour tout ce que je t'ai fait. S'il y a quelque chose de mal que je t'ai fait, pardonne-moi et aide-moi. Je reviens même de l'hôpital maintenant. Et le docteur m'a dit que j'ai des côtes cassées et une hémorragie interne. Je veux que tu m'aides. Je n'ai vraiment rien sur moi. Je n'ai pas d'argent et je ne veux pas mourir. S'il te plaît, aide-moi. Tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas mourir. Et tu es dans ma parcelle. Melvin, tu ne veux pas mourir. Mais tu oses mettre tes sales pieds encore dans ma parcelle. C'est parce que je n'ai nulle part d'autre où aller. Je n'ai personne d'autre à qui aller demander de l'aide. Et cette hémorragie m'a été infligée par les ordres que tu avais envoyés. Melvin, s'il te plaît, tu nous distrais. Comme tu peux le voir, j'ai écrit l'état de besoin pour mon mariage. Alors voir un cadavre ambulant entrer dans cette parcelle et gâcher notre humeur est la dernière chose que nous voulons voir. Peux-tu imaginer? Tu peux m'appeler un mort ambulant ou même la mort si tu veux. Ça ne me dérange pas. Même qui tu veux épouser, ça ne me dérange plus. Tout ce que je veux maintenant, c'est de l'aide. S'il te plaît, pense au moment passé. Aidez-moi à vivre encore. Sauvez ma vie et je vous promets que vous n'allez plus jamais me voir autour de vous. Souvenez-vous, j'ai une fois sauvé la vie de celui que vous aimiez. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Ok, ma fille. Nous allons t'aider. Merci, maman. Maman? Ma chère, amenons-le à l'hôpital. Maman, nous avons des choses très importantes à faire. On n'a pas le temps pour ça. T'inquiète, ma chérie. Aidons-les même pour la toute dernière fois. Maman. Je ne sais pas où. Rappelle-toi que c'est Melvin, non? Amenons-le à l'hôpital. Allons trouver un taxi pour lui, tu sais. Merci. Ça va l'aider à arriver à l'hôpital. Merci. Et dès là, on verra comment il peut commencer son traitement. Merci. D'accord? Tu dis que tu veux aller à l'hôpital. Oui, maman. Hein? Ah. N'importe quoi. Maman? Ferme ta bouche. Maman! Allez, va-t'en. Va-t'en. Maman, tu es très intelligente. Hey. Oh, maman, t'es génial. C'était une manière pour moi de le mettre dehors. Parce que je sais que tu vas le mettre facile. Il faut me faire confiance, Nancy. Il s'est prendre. Comment est-ce possible? Avec tout ce qu'on lui a fait, il n'est pas toujours mort. Non, ce n'est pas possible. Il mourra sous cette peine. Oui, chef. Après tout ce que je lui ai fait la fois passée,
elle est toujours têtue envers moi. Je suis sûr qu'elle arrive toujours à douter de ce que je suis capable de faire. Elle paraît vraiment têtue. Alors il faut vraiment faire attention avec elle. C'est pas seulement que j'aime la vie. Je ne te donnerai pas le plaisir de me tuer. Je dois vivre pour voir ta ruine. Les jours que tu avais tué mon père, je m'étais déshabillée pour te maudire. Je peux voir que tu l'as oublié. Je t'avais dit, peu importe ce que tu cherches, tu ne l'obtiendras jamais. Tu peux le voir, mais tu ne l'auras jamais. C'est ce que je t'avais dit ces jours-là. Et crois-moi, ça va se réaliser. D'ailleurs, je peux voir ton humiliation. Ta ruine n'est plus pour longtemps. C'est pour bientôt. Monsieur. Oui, monsieur. So afraid to share, cause you didn't know just who to trust. You didn't know just who to trust. Tu aurais dû voir les histoires que nous avons achetées pour mon mariage. Mm-hmm. Si tu vois mes chaussures, ma robe et mes accessoires. Allez, attends. Maman, je t'ai dit que tu n'en reviendras pas. Attends, Nancy. Ma très chère maman, laisse-moi te dire ceci, que je suis vraiment aux anges. Hey! Allez, arrête. Arrête, s'il te plaît.
Je ne vais plus vous entendre encore. À moins que vous me faites, tous les deux, maintenant, une promesse. Que vous allez m'amener à Paris après votre mariage pour faire mon shopping. Maman! Oui, oh. Hey. Nancy, je ne veux pas être une belle mère d'Abraham. Vraiment. Et m'habiller comme si on était au 18e siècle. Non, ce n'est pas possible. Ouais. Maman. Oh, maman. En tout cas, vous avez vraiment raison de dire ça. Mm-hmm. Vraiment, tu joues comme une reine. Ok, bien, comme c'est ce que vous voulez. Bon, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. C'est chérie. Mm-hmm. Oui, pour amener une belle créature comme toi au monde, elle mérite tout ce dont elle a besoin dans sa vie, à moins que cela lui soit procuré par l'argent. Moi, à Paris, me voici en train de venir. Ça sera chaud. Je ferai tomber la tour Eiffel. Merci beaucoup, chérie. Donc, maman, toi aussi, tu iras à Paris. Mais sérieusement, ma chère, tu es un ange de Dieu pour ma famille. Tu m'as promis que ma deuxième fille, Aboma, sera libérée de la prison à Londres pour qu'elle vienne prendre part à ton mariage. Aujourd'hui, et qu'elle ne sera pas seulement libérée. Oh, Aboma, ma fille, ça fait très longtemps. Elle est déjà en train de rentrer pour venir prendre part à ton mariage. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, j'apprécie. Mon merci. Dieu ne cessera de t'aimer. Oh, vous m'avez rappelé, maman. Nancy et moi devrions nous rendre à l'aéroport pour retrouver notre petite sœur venant de Londres. Et l'avion devrait déjà atterrir maintenant. Bien sûr, c'est on ça. On doit partir, hein? Maman, nous devons partir maintenant. Ok, d'accord, c'est bon. Nancy. Mon père. Papa? Oui. Allô, papa? C'est pas possible. Non, je ne peux pas. Non. Je ne suis pas en train de suivre la télévision. Ok. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Télévision. Ça, c'est l'avion. Hé! Bravo, moi! C'est pas vrai, oh! Mais qu'est-ce qui ne va pas, docteur Anti? Nous sommes ici depuis un certain moment, afin que nous soyons fixés et que nous sachions ce qui s'est passé avec notre cadavre. Il est mort dans un crash d'avion il y a 3 jours. Mais vous n'êtes pas en train de nous rendre la vie facile depuis hier. Et vous nous avez appelés ce matin. Nous disons que vous aviez des choses à nous dire. Voilà que nous sommes venus ici, vous n'arrivez à rien nous dire. Docteur, il y a plus de 5 minutes que nous sommes entrés dans votre bureau. Tout ce que vous avez pu faire, c'était de nous installer, ne disons rien. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Désolé, je ne sais vraiment pas par où je peux commencer. Mais je commencerai quand même. D'abord, êtes-vous tous les deux de frères et sœurs, nés de mêmes parents? De quelle question il s'agit? Nous vous avons bien dit depuis hier qu'on est en couple. Oui, docteur. Nous allons nous marier dans peu de temps. Et parmi les victimes du crash d'avion, il y avait sa sœur ainsi que la mienne. Elle revenait pour assister au mariage. Vous savez, c'est exactement ce qui me rend un peu confus ici. Vous savez, ton ADN et le sien correspond à celui de l'un des victimes, même si l'étion se correspond à celui d'une de nos victimes qui est aussi ta sœur. Docteur, de quoi vous parlez? Peux-tu nous expliquer une fois de plus? La seule explication médicale à ce que je vois là, c'est que vous deux êtes dans une relation sanguine, frère et sœur précisément. Le diable est un menteur. C'est du mensonge, c'est une histoire montée de toutes pièces. Qui t'a payé, docteur Andy, pour nous raconter de telles choses? Qui t'a payé? Me payer? Oui! Mais de quoi parles-tu? Docteur, je demande un examen d'ADN maintenant. Oui. Pour nous aider. Et tu dois le faire tout de suite.
C'est assez, maman. Écoute, laisse-moi te dire qu'en ce moment où je te parle, je n'accepterai pas des mensonges venant de qui que ce soit. Réponds-moi, maman. Qui est mon père? Nancy, es-tu malade? Hein? Arrête ces sales blagues. Bernard était ton père. Bernard était mon père. Donc tu essaies de dire que ce qui vient de m'arriver maintenant est une blague? Les examens que nous avons passés à deux reprises, voire même trois, le résultat est le même. Mon ADN ainsi que celui de Terry correspond comme si nous étions de frères et sœurs. Qu'est-ce que tu me caches, maman? Parle! Nancy. Maman, arrête de me mentir. Parle! Nico, prends place. Que je me mette? Hein? Crois-tu au pouvoir diabolique de vaudou? Qu'est-ce que ça veut dire? Melvin, es-tu si du pays et de peuple qui tire leur histoire ou leur ancienneté dans ces pouvoirs magiques et mystérieux de vaudou? Ma chère, tu crois que, après tout ce que nous lui avons fait subir, il partira juste comme ça et te laisser faire ta vie librement? Non, ma chère. Ce gars s'est levé contre toi. Contre nous, spirituellement. C'est ça le résultat. Il veut te séparer, toi, avec Ethereum. Oh mon Dieu, comment je n'ai pas pu comprendre tout ceci avant pour que je sois préventive. Oh mon Dieu, s'il te plaît, je te prie, lève-toi contre cette main maléfique. Maman, s'il te plaît, arrête de me faire marcher. Mais non, si, mais toi, tu dois comprendre les choses ici. Agenouons-nous, nous devons prier, nous lever contre ces gars. Hein? Il veut détruire ta vie. Lève-toi en prière, Nancy, nous devons prier au nom de Jésus. Père éternel, je lève mes mains devant toi. Papa, qu'en est-il de... Patientons et attendons le médecin lui-même qui va venir avec le résultat. Je suis sûr qu'il y a un problème quelque part dans le travail que l'autre médecin avait fait. Papa, et qu'en est-il du fait que si ce qu'il dit et soit vrai? C'est du mensonge, Terry. Je n'avais jamais trompé sa mort jusqu'à sa mort, il y a 2 ans. Je peux te le jurer, je n'avais jamais fait cela. Oui, Dr Paul, c'était un mensonge, n'est-ce pas? Ils avaient commis une erreur là-bas, n'est-ce pas? Chief, je suis inquiet, cela n'a pas été le cas. Oh, docteur, tu es en train de dire que mon père... Et comme vous me l'avez instruit, j'avais pris le docteur Andy. J'avais pris les sons de vous et d'Andy. Oui, je l'ai soumis à un grand et performant test d'ADN. Les résultats obtenus sont tellement positifs. Et je suis inquiet, Chief. Les deux sont vos enfants. Comment? Je n'ai jamais rencontré la mère de Nancy. Jusqu'à ce que Terry l'ait rencontrée dernièrement. Comment puis-je être le père d'une fille dont je n'ai jamais rencontré la maman? Alors, papa, je n'ai pas besoin de votre désolation. Et toi et la maman de Narcisse allez me dire la vérité aujourd'hui. Et sinon, vous allez voir combien je m'échauffe à l'avance. Avance, j'ai dit, avance. Docteur, ce n'est pas ton affaire. Avance. Avance, docteur, avance. Taisez-vous. Chérie, taisez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous et parlez. Papa, j'ai dit, parle. Vous pensez que je m'amuse ici? Vous pensez que je m'amuse ici? Attends, j'ai dit parler. Je vais commencer avec toi. Attends. Je vais commencer avec toi. Allez, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi ici, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour toi. Et c'est maintenant que vous commencez à me payer de cette façon. Je vais te tuer. Et sache que je vais commencer de compter de 1 jusqu'à 10. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Non, 8, non, non, non. 9. Ne me tue pas. Je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Non, ne me tue pas. Non. Ne me tue pas. Je dirai la vérité. Je vais vous parle, dire de la vérité. Parle. Sinon, j'appuierai la gâchette. Ne me tue pas déçu, pardon. Je ne veux pas mourir. Je vais dire la vérité. Mon mari, Bernard. N'était pas ton père biologique, Nancy. Quoi? Non. Arrête de me mentir. Oui. Donc, cela veut dire que cet homme ici est mon père? Oui, c'est lui ton père. C'est lui ton père. Je suis foutu. Continue. 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 Je vais dire la vérité. Quand j'avais perdu ma grossesse à 6 mois, oui, j'ai découvert après que les examens par un docteur que mon mari était impuissant. Oui. En fait, la grossesse en question n'était pas à lui. Je lui avais attribué cette grossesse juste pour qu'il m'épouse. Parce qu'il était riche, j'avais conclu un deal avec le docteur. Et ce deal était qu'il avait perdu sa masculinité et qu'il m'avait rendue enceinte. Après, pendant que je faisais semblant de traiter mon mari. 7 mois après, les docteurs ont confirmé que j'étais enceinte grâce au sperme que nous avons trouvé à la banque des facilitateurs. Et notre docteur a fait la même chose pour ma deuxième fille. Non, ne me tue pas. Oui, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, ne me tue pas. Ne me tue pas. En quelle année? Comment cela s'est-il passé? Et quel est le nom de ce médecin qui a fait tout cela? C'était en 1989. Le nom de ces centres était Grace Hospital. Ces docteurs s'appelaient Docteur Derris. Mon Dieu. Mon Dieu. Quoi, maman? Elle ne ment pas. Rappelle-toi de ce que ta mère et moi t'avions dit concernant Amombas. Comment Amombas avait envahi notre maison quand tu n'avais que 3 ans. Et il m'a tiré dessus. Tout le monde, même mon médecin à l'époque, pensait que je n'aurais aucune chance. Vu l'amour profond que ta mère avait pour moi, j'ai décidé de ne jamais me remarier, même si je devais mourir. Parce que je savais qu'elle n'aurait jamais eu un autre homme après ma mort. Elle voulait toujours avoir plus d'enfants. Elle m'a convaincu de donner ma sémence à l'hôpital là-bas, je ne sais pas pourquoi, pour pouvoir l'utiliser tout le temps qu'elle voulait. Et le docteur aussi l'a aidé à le faire. Miraculeusement, j'ai survécu à la fin. Et j'ai totalement oublié toute cette histoire-là. Parce que c'était en 1999 dans cet hôpital-là. Et le nom du médecin, c'était, je crois, Doris. Hé, hey, mon Dieu, hey, je suis foutue. Désolée. Hey, je suis désolée. Dieu. Pardonnez-moi, pourquoi? Ma fille. Pardon. Hey, je suis désolée. Pardon. Tu sais quoi? Désolée. Pardon, désolé. Pardonnez-moi. Chérie, je ne peux pas faire ça, je suis... Tais-toi, je ne veux plus jamais te voir chez moi. Comment osez-vous montrer vos visages ici chez moi? Pardon, désolé. Vous pardonnez? Après que j'ai pris que les chiffres Wonka vous avez donné l'argent, vous me faites tout ce que vous m'avez fait. Maman! Êtes-vous choquée? Vous pensez que je ne savais rien? Vous pensez que je n'allais pas découvrir? Les dieux sont omniscients. Comme vous pouvez voir, je suis de retour parmi mon peuple comme leur roi.
alors que Chief Ouka est devenu un homme complètement fou. Chief, oui. Est-il devenu fou? Oh, vous ne savez pas? J'ai oublié. J'avais oublié que toutes les deux étaient occupées à profiter des biens et de la richesse de ce palais jusqu'à l'oublier. En passant, que s'est-il passé avec votre mariage tant que vous vantiez tant? Thierry m'a laissé tomber. Oui. Il a finalement découvert votre caractère à toutes les deux, n'est-ce pas? C'est juste qu'il a été surpris de ce qu'il a découvert. C'est-à-dire? C'est une longue histoire. Une histoire à raconter un autre jour. Ma mère et moi, nous sommes venus vous demander pardon, je vous en prie. Pardon. Et t'épouser encore, c'est ce que tu veux dire? Que j'oublie tout ce que vous m'avez fait et que je t'épouse encore, c'est ça? Avez-vous déjà oublié le mort vivant que vous avez abandonné? Vous savez comment je me suis en sortie? Maman, je t'en prie, mets-toi à genoux. Supplie-les. Je savais que tu étais innocent. Pitié. Tu as toujours été du côté des innocents. Et je savais que rien n'est mal né. Oui. T'arriverais. Pardon. Je suis désolée. Pardonne-moi. C'est vrai. Et ma fille. Waouh. Waouh. Le diable qui parle des dieux. Intéressant. Pitié. Chérie. Pitié. Chérie. Chérie? Hey, oui, chérie. Hey, je suis foutu. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, tu m'as tué. Maman, tu m'as tué. Hey. Voici les deux sorcières. Nancy et sa mère. Ces deux femmes ont voulu me ruiner. Regarde-les. Regarde leur visage de malice. De Jezabel. Voici ma reine. Chérie, s'il te plaît, tu dois me pardonner. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi. Maintenant, laissez-moi vous parler de telle enceinte que vous compreniez. Ça vous fera un peu de bien. À vous deux, je veux dire. De vous lever et quitter ce palais immédiatement. Hey. Avant que je ne déploie la sécurité. Chérie, bébé, pardonne-moi, garde, je t'en prie. Majesté, je te demande. Allez, bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Allez, levez-vous. Doucement, c'est quoi votre problème? Hey, chérie, madame, bébé, venez, c'est venez, moi. Venez, c'est moi. Hey, je t'en venez. Prie. Avancez. Chérie. Vous voulez seulement la porte. Allez-vous-en. Hey, mon Dieu. Bébé. Allez-vous-en. When it was bad for you, I was the best friend. When it was good for me, I was the best thing. I gave you my everything, I gave you the rest of me, 'cause I love you. I love you. It was a mission impossible, but love made it possible, 'cause I love you. I love you. Now it is bad for me, you didn't care. When it was bad for you, I was there. Somebody please wake me up, I must be dreaming of this.